Bonjour à tous, merci de prendre place. Nous allons commencer dans une minute, donc le temps que vous installiez tous, et nous allons commencer nos débats. Eh bien, bonjour à tous, à vous tous ici, donc présents rue de Berry pour ces 2 heures et quelques de débat à propos de la note de TDIE. Et bonjour à tous ceux en distanciel qui nous suivent aussi aujourd'hui et qui pourront aussi avoir l'occasion de poser des questions via les modules maintenant que vous connaissez bien sur les applis. Alors, avant de vous donner le programme de cette matinée, avant d'entrer dans le vif des débats, je vais demander à l'hôte de ce débat matinal, Bruno Cavagnier, président de la FNTP, de nous dire quelques mots. Bien, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de vous accueillir dans cette maison des travaux publics, cette maison de la mobilité. Nous sommes partie intégrante de TDIE, vous le savez. Nous suivons assidûment tous les travaux de TDIE qui sont, à mon sens, indispensables. On travaille sur du temps long. C'est ce qu'il nous faut dans les infrastructures, du temps long. Et vous pouvez compter sur nous pour être toujours à vos côtés. J'en profite puisque c'est encore le jour de vous souhaiter à toutes et à tous une très bonne année 2023, où nous parlerons, j'espère, mobilité, ma ministre. Et vous savez, j'arrêterai là-dessus, que nous attendons avec impatience le rapport du Conseil d'orientation des infrastructures, où avec Louis, nous avons participé, discuté, beaucoup, beaucoup discuté. Je dois vous dire, je ne m'étendrai pas plus là-dessus. Je vois la Première ministre cet après-midi. J'espère que nous allons enfin sortir ce rapport et que, enfin, nous aurons un scénario digne des infrastructures et des mobilités. Et quand je dis digne, c'est à minima le scénario 2 et non pas un scénario budgétaire que Bercy, vous l'imaginez, comme d'habitude, essaie de faire sortir. Donc j'espère que la Première ministre, qui connaît un petit peu les transports, va accéder à nos demandes. En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne matinée. Merci. Merci beaucoup. Alors, cette matinée, justement, Président, elle est articulée par plusieurs séquences. Dans un instant, on va introduire cette note, la mettre en perspective avec les deux coprésidents et avec le principal auteur Yves Crozet. Ensuite, nous aurons des lectures commentées de cette note avec Anne-Marie Drac et Fanny Arave. Et puis, nous poursuivrons par un débat que je vous présenterai de façon plus complète tout à l'heure avec nos trois invités. Qui ont préparé leurs armes d'une certaine façon pour vous apporter leur regard sur cette note et sur cette question absolument essentielle de la décarbonation. D'ailleurs, on va en parler dans un instant, il y a eu un peu de publicité à haut niveau ce week-end pour ce thème de la décarbonation. J'ai tout de suite demandé à Louis Nègre, coprésident de TDIE, de me rejoindre pour parler un peu de ce contexte, cher Louis. Et de l'opportunité de cette note en pleine focalisation sur la décarbonation. Merci d'abord à vous tous d'être venus aussi nombreux à ce débat de TDIE. Et je suis heureux avec Philippe Durand, le coprésident, avec Michel Savy, président du Conseil scientifique, de vous saluer. Vous saluer, y compris ceux qui sont en vidéo et qui nous suivent donc ce matin, pour quelque chose d'important, et je voulais également saluer non seulement vous tous, publics nombreux,
et personnalités éminentes que vous êtes dans les transports, mais également nos personnalités qui vont intervenir ce matin. Et je voulais donc saluer Fanny Arave, qui est économiste, vous la connaissez tous, membre du CESE, Anne-Marie Idrac, présidente de France Logistique, que vous connaissez tous, ancienne ministre, Chantal Joanneau, présidente de la CNDP, que vous connaissez tous, ancienne ministre. Enfin, il y a le gouvernement qui est là ce matin. Il y a Thierry Pêche, directeur de Terra Nova, et Patrick Vieux, que vous connaissez également parfaitement, vice-président désormais de l'ART, mais qui monte en grade avec le dernier rapport sur les concessions d'autoroutes. Et on ne peut pas dire que ce ne soit pas d'actualité. Donc, merci à nos éminentes personnalités qui sont là ce matin. Ce qui conduit, je dirais, finalement TDE à être dans la béatitude. Nous avons, avec l'équipe permanente que je salue, nous avons le soutien, j'allais dire populaire, très large, par votre présence, à un débat qui est un débat un peu technique, mais on le verra, selon moi, essentiellement politique. Alors d'habitude, on n'aborde pas parce que la politique, c'est sale, parce que la politique, on la laisse aux autres, parce qu'on est des techniciens. Non, moi, je dis l'inverse. Et ça commence mal, donc, ce matin, dans la béatitude. Je mets les pieds dans le plat, je les remue et je continue à le penser de plus en plus, d'ailleurs. Bon. Alors l'objet du débat, c'est d'amener une nouvelle contribution du Conseil scientifique amenée par Yves, il est où ? Il est là, Yves Croiset, qu'on a mis au premier rang. Donc tout à l'heure, il interviendra avec notre complice et compère Philippe Durand pour vous présenter sa note. Ça s'inscrit dans le débat d'orientation que nous organisons régulièrement avec TDE, pour faire avancer, si vous me permettez ce terme, pour faire avancer le Schmilblick. Alors, en 2018, on s'était attaché aux externalités, et vous l'avez peut-être vu dans le rapport d'Yves Crozet, quelque chose en France où on est très pudique. Les externalités, mon Dieu, qu'est-ce que c'est ce truc-là ? C'est pas facile à décrire, donc on les met de côté. Ça ne nous permet pas d'avoir une bonne vision. Je l'ai dit et je le répète, dans des pays nordiques, on arrive à se mettre tous d'accord, sur les externalités. Et là, je découvre que nous avons quelques difficultés. Et si nous avons des difficultés à définir ce que sont les externalités et leurs conséquences, nous ne pouvons pas les utiliser, parce que c'est ça la conclusion. Alors après, on est également en 2021, on avait fait également un débat sur le prix du carbone et on s'inscrit dans la démarche de réflexion que nous adressons, nous, TDE, aux futurs candidats, notamment aux présidentielles. Alors, j'en arrive donc maintenant à cette fameuse note du professeur émérite Yves Crozet, qui dit « Engagement climatique et mobilité » à la recherche du bien commun. C'est presque du Proust. Donc, à la recherche. Alors, cette note, selon moi, est un travail remarquable, vraiment. C'est une note de fond, mais je dirais que... Ben c'est ça, on est là pour ça, d'ailleurs. Qu'elle est hautement inflammable, la note. Pourquoi ? Ben parce que j'y découvre des choses étranges. J'y découvre des mots tabous. Vous parlez, monsieur le professeur, de sobriété. Vous parlez d'aucun pourrait traduire en décroissance. Et alors là, vous êtes sûr d'avoir un débat. Vous parlez de régulation et de discipline. Là, on est à côté de la philosophie actuelle, me semble-t-il. Vous parlez de bien commun. Et bien commun, intérêt général, c'est des choses qui parlent. Dans une société à l'heure actuelle qui est très individualiste et très égoïste, bouscule un peu l'ordre établi. Vous parlez alors du signal prix avec un pass mobilité et vous l'avez même écrit un péage urbain. Vous vous rendez compte de ce que vous écrivez ? Je l'avais mis en tant que sénateur dans la loi. J'avais réussi à faire passer ça. Oui, ça a été supprimé en douce il y a 2 ans. Voilà, voilà. Hein, c'est dire que vous êtes hautement inflammable, en tous les cas, votre note, et ce que vous préconisez. Et donc, je m'arrêterai là, dans cette
description de votre note, tout simplement en saluant ce matin la présence d'un parrain prestigieux qui flotte au-dessus de nous. Il s'agit du président Macron. Vous avez vu, le président Macron, il a fait une déclaration ce week-end. Cette déclaration, je ne peux pas vous empêcher, hein, je résume. Le président Macron dit « Aujourd'hui, on n'y est pas. Si on ne change pas les choses, on n'y arrivera pas. » Ah, Macron vient nous confirmer, M. Philippe Duron, M. le coprésident, que nous avions raison, donc. Et on n'est pas les seuls à avoir dit qu'on n'y arriverait pas si on ne passait pas la vitesse supérieure. L'Europe, quand on va régulièrement à Bruxelles avec Philippe, l'Europe nous dit « Mais essayez de faire encore un effort, encore un petit effort ». Et donc là, Macron nous le dit, on ne peut pas. Puis, il ne plaisante pas dans l'effort. Il dit qu'on va doubler l'effort que nous avions nous-mêmes doublé il y a 5 ans. Il dit que nous avions économisé 15 millions de tonnes, il va falloir en économiser en 8 ans 140 millions. Voilà le problème. Eh bien, c'est dire qu'il y a urgence à effectivement planifier, rentrer dans la sobriété, voire la régulation. Et donc, je vous remercie de votre attention. Merci, merci, cher Louis. Puisqu'on en est à évoquer des questions d'actualité, je ne peux pas ne pas aborder une autre question d'actualité, a fortiori parce que tu as participé à sa confection pendant de longs mois. Je veux dire le rapport du COI, ah, oui, qui est aussi très lié à cette question de décarbonation. Quelques mots avant d'engager le débat sur la note précisément. Avec mon complice ici présent, Bruno Cavagnier, il a dit tout à l'heure, à juste raison, on a beaucoup travaillé. Je dirais même qu'on a beaucoup bataillé. Bon. Et il y a 3 scénarios, vous le savez. Scénario dit de Bercy, parce qu'au moins là, on est simple. Et ce qu'on faisait avant, on le refait. Et on continue. Bon. Après, vous avez un scénario dans lequel le COI s'est lancé, la sobriété énergétique, là aussi, la transition énergétique. Très bien. C'est un scénario que le président, effectivement, souhaite. Il verra. Donc, j'ai appris Elisabeth Borne, la première ministre, cet après-midi. J'espère qu'on aura peut-être le scénario 2. Puis, comme on avait un peu d'ambition, on a même prévu un scénario 3. Bon. Simplement, je suis au regret de vous dire que, bien entendu, parce que le travail a été fait, que nous avons des rapporteurs qui ont fait un boulot monstre hein, là-dessus, il faut le saluer, que l'ambiance était bonne. Donc j'ai signé ce rapport. Mais j'ai mis une contribution. Hein, et je n'étais pas le seul. Avec 2 autres sénateurs, dont le sénateur Philippe Tabarot, qui est aujourd'hui devenu un peu le spécialiste des transports au Sénat. L'idée, elle est simple, hein. C'est que si nous continuons comme ça, et je le dis de plus en plus, je l'ai dit au vœu du Gard devant le ministre, il le sait très bien, ça ne nous empêche pas après de bien discuter, hein, mais je le dis, si nous continuons comme ça, nous serons toujours à la recherche d'un peu d'argent auprès de Bercy pour essayer d'obtenir un peu plus, que nous n'obtenons pas en général. Et donc, le problème, c'est quelle est la place. C'est éminemment politique. Ce n'est pas technique, ce n'est pas même financier. Ne me racontez pas que c'est une histoire d'argent. Hein. Je le prends mal maintenant. L'argent, mais il y en a plein d'argent. Vous êtes le pays au monde qui prélève le plus d'impôts et de charges. Hein. Donc, l'argent existe. Simplement. Il va peut-être pas là où nous souhaiterions qu'il aille. Ça, c'est autre chose. Mais de l'argent, il y en a en France. Et à partir du moment où vous avez de l'argent, c'est l'orientation des flux qui est importante. Et donc, je m'arrête là-dessus parce que cette orientation des flux, c'est ça, la politique. Qu'est-ce qu'on fait de cet argent-là? Donc, j'ai dit qu'il fallait changer l'approche à la française qui consiste à aller quémander tous les jours auprès de Bercy un peu plus d'argent, qui ne nous le donne en général pas. Et donc, je dis qu'il faut changer de paradigme et faire à la Suisse. Parce que
Figurez-vous qu'il y a un modèle juste là à côté, pas à Singapour, hein, juste là à côté de nous, qui fonctionne, qui marche bien, qui est financé, tout simplement parce qu'il y a eu une loi de programmation verrouillée par le peuple, qui empêche ensuite qu'on change les intervenants. Et vous avez donc de l'argent pérenne, stable, qui permet de faire en sorte que quand vous faites une interview en Suisse, ce que j'ai fait, je prenais les gens sur les trottoirs, je leur disais, je suis français, je m'intéresse un peu au transport, vous prenez un système de transport, oui, est-ce que vous êtes content ? Les Suisses, les petits Suisses me répondaient à l'unanimité, oui, chez nous ça marche bien, et effectivement, les trains partent à l'heure et ils arrivent même à l'heure. Merci Louis Nègre pour ces propos introductifs. On aura certainement l'occasion dans les mois à venir de refaire des séances sur le rapport du COI. Mais je vais demander maintenant à Philippe Duron et à Yves Creuset de me rejoindre. Peut-être Philippe de venir à mes côtés et Yves au pupitre pour dire quelques mots de cette note. C'est difficile, Yves, de résumer une note, mais peut-être à tout le moins peux-tu nous dire un peu quelles étaient les grandes lignes de ton raisonnement, notamment qui conduit à privilégier la notion de bien commun par rapport à celui d'intérêt général que l'on manipulait depuis quelques dizaines d'années, et donc de nous dire un peu où tu as voulu aller, et comment. Voilà, merci. Donc bonjour à tous, c'est un plaisir de vous voir tous ici, nombreux, et de voir beaucoup de têtes connues. Effectivement, on a eu beaucoup de chance, TDIE, depuis le début du mois, parce que tout le monde s'est uni pour mettre en valeur notre travail. Alors, le canard enchaîné, l'autorité de régulation des transports sur les concessions, le COI, bien sûr, et puis, bien sûr, le président de la République. Le président de la République, regardez ce qu'il a dit sur la chaîne YouTube le 26 janvier, après la première réunion du Conseil de planification écologique. C'est remarquablement bien fait, c'est extrêmement synthétique, on n'y arrivera pas, on n'y est pas, dit-il. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'il reprend les débuts de la note en disant, voilà, on a deux priorités et on va renforcer ces deux priorités. Et en lisant ça, je pensais à une formule, je crois, de Paul Valéry qui dit « Enseigner, c'est pas apprendre la simplicité, c'est montrer les difficultés ». Donc je vais vous montrer un petit peu les difficultés. Il faut partir de cette notion clé. On l'a évoqué avec la notion de croissance-décroissance. Le monde dans lequel nous vivons depuis 200 ans, c'est un monde de croissance, c'est-à-dire c'est un monde d'efficience où, avec le même niveau d'entrée, d'input, on peut faire plus d'output. Et ça, c'est la grande efficacité du système. Ce système-là rencontre aujourd'hui des difficultés parce que ce système-là est en quelque sorte le facteur d'effet rebond. Regardez le transport aérien, les chiffres sont dans la note. Voilà, on a amélioré très très fortement la performance des avions et la performance des compagnies aériennes avec des taux de remplissage de 80-90%. Résultat, 3,5% de hausse du trafic aérien avec les émissions qui vont avec. Et ça, c'est dans tous les domaines. Regardez vos enfants, vos petits-enfants avec la 5G, etc. La deuxième chose dont on parle moins, c'est que quand on n'a pas d'efficience, on a son contraire. La hausse des coûts, les rendements décroissants de la dépense publique. Il y a dans la note un petit graphique qui vous fera peur. C'est le fait qu'en région parisienne, la dépense publique par passager kilomètre est supérieure à ce qui se passe en province, dans les transports collectifs. Pour le Transilien, ça a doublé, 7% de hausse par an dans les années 2010 jusqu'à 2019. Autrement dit, plus on investit dans les transports collectifs, et il faut investir, et plus ça coûte cher, et moins c'est efficace en termes de report modal. Donc cette question du coût croissant de la dépense publique est une question clé, et donc elle appelle à revoir le ratio du début pour parler de sobriété. La sobriété n'est pas la décroissance, mais ce n'est pas n'importe quelle croissance. La décroissance, c'est quoi ? La décroissance, c'est de baisser non seulement les inputs, mais de baisser les outputs. C'est-à-dire que c'est de dire, ben, on va rationner. Moins d'avions, moins de déplacements en voiture, moins de tout. Ça, c'est la décroissance. Moins de revenus, et bien sûr, moins d'argent pour financer les transports collectifs. La sobriété, c'est de dire, on va baisser les inputs, bon, par exemple avec des voitures plus performantes, des trains plus performants, mais on ne va pas augmenter les outputs. Et donc, on va mettre la pression sur les outputs
pour éviter que ça augmente. C'est exactement ce qu'on fait sur l'eau, par exemple, et sur les déchets ménagers, où on dit sobriété. On va réduire les outputs, et même si on améliore le système, parce qu'on a besoin de croissance, on a besoin d'améliorer le ratio output sur input, mais sans augmenter les inputs, les outputs. Donc c'est ça la sobriété. Et c'est pour ça que c'est difficile, parce qu'on navigue entre croissance et décroissance, parce qu'il y a des éléments propres à la croissance, il faut être efficace, et propres à la décroissance, en disant il va falloir supprimer certains outputs et les réduire. Et là, on aboutit au problème de la tragédie des communaux, c'est-à-dire que la mobilité, comme l'eau, comme les déchets, relève de ce qu'on appelle les biens communs. Et les biens communs, c'est pas du tout ce qu'on entend régulièrement en disant le bien commun, c'est à tout le monde, donc tout le monde doit y avoir accès. Bien sûr, il y a une question d'inclusivité. Mais le bien commun, pour un économiste, c'est un bien collectif saturable. Et un bien collectif, il n'y a pas de meilleure définition que celle de Victor Hugo, c'est l'amour maternel. Tous l'ont tout entier et tous l'ont en même temps. Mais ça, c'est une vision romantique. Voilà, c'est la vision romantique, non-rivalité, non-excluabilité. Ma mère aime tous ses enfants exactement comme elle m'aime moi et j'en profite autant que les autres. Ça, c'est le cas de l'émission de radio. Vous pouvez avoir 1 million d'auditeurs ou 1 milliard d'auditeurs. Ça ne gêne chaque auditeur à l'émission de radio en entier et tout le monde peut l'écouter sans problème. Eh bien, les biens communaux, ce sont des biens qui sont non excludables, mais qui sont rivaux. C'est-à-dire que dès que vous consommez ce bien, vous entrez en rivalité avec les autres. C'est ce que les Anglais ont appelé au XIXe siècle, et même déjà avant, la tragédie des communaux. Et donc un bien commun, c'est quelque chose qui doit être régulé. Et une façon de le réguler, c'est ce qu'ont proposé les Anglais dès le XIXe siècle, le droit de propriété. Les enclosures, on dirait Marx, c'est-à-dire l'idée qu'il faut que la propriété privée soit incitée à bien gérer les choses. Et il faut exclure ceux qui n'ont pas à y être. Il y a une autre réponse qui a été présentée par Elinor Ostrom, la première femme prix Nobel d'économie en 2009, c'est de dire on crée de l'action collective, qui n'est pas forcément celle de l'État, qui peut être une action qui vient de la base. Une association de pêcheurs, de cultivateurs organise le système de contrôle de la pêche ou d'irrigation. Et donc, on voit bien qu'aujourd'hui, dans les transports, on est dans cette logique-là. Il va falloir rentrer dans cette logique de biens communaux, mais des biens communaux, ça veut dire qu'il faut réguler. Alors réguler par les prix, réguler par les quantités, ou les deux à la fois. Et ça tombe bien, parce que le secteur des transports est un secteur hyper régulé. La route, par exemple, est un secteur où vous avez le code de la route, vous devez payer des taxes sur les carburants, vous devez payer les péages, etc. Et nous, tout ce que nous proposons, et je vais demander peut-être une première réaction à Philippe là-dessus, c'est de dire... Il faut garder cette idée de régulation par les prix et les quantités, mais il faut peut-être pousser les curseurs différemment pour que certains modes de régulation par les quantités soient mieux compris. Exemple, les zones à faible émission, qui est typiquement un système de régulation par les quantités, ou que d'autres systèmes soient mieux compris. Exemple, les péages autoroutiers, puisque la régulation par les prix a aussi son utilité. Philippe, quelques réactions? Bon, tout d'abord, moi, je voudrais avoir une première, être positif ce matin et dire que les transports redeviennent une vraie question politique. Depuis une vingtaine d'années, on s'efforce avec TDIE d'intéresser notamment les candidats à la présidence de la République pour qu'ils intègrent le transport dans leur discours. Et c'était très difficile pour avoir participé à la feuille de route d'un candidat. Je peux vous dire qu'il n'est pas resté grand-chose du travail de l'équipe qui s'était réunie à plusieurs reprises pour la préparer. Ce n'était pas vendeur de parler des transports. Ce n'était pas quelque chose d'important. Or, aujourd'hui, en raison de la crise climatique, j'allais dire grâce à la crise climatique, ça aurait été malheureux, mais en raison de la crise climatique, le transport est le lieu de la plus grande résistance à la décarbonation. Donc, ça devient un sujet politique. La deuxième remarque que je voudrais faire, c'est que maintenant Bruxelles qui fixe le cap. Hein, on a des objectifs avec le Fit for 55. On a un calendrier 2030, 2050. Et ça n'est pas, on n'a pas une obligation de moyens. On a une obligation de résultats. Donc, ça nous oblige à trouver des solutions. Alors, comment faire? Eh bien, la Première ministre l'a dit. Elle a dit... planification et sobriété. La sobriété, c'est bien évidemment la dernière étape avant le rationnement.
C'est une ligne de crête entre une mobilité sans contrainte, celle qu'on a connue depuis de nombreuses années, celle qui a été réaffirmée dans la loi, qui a été réaffirmée dans la LOTI, qui a été réaffirmée dans la LOM plus récemment. Hein. Et puis, finalement, une approche plus raisonnable. Est-ce que nous sommes raisonnables ? Le grand sujet, ça va être l'acceptabilité. Est-ce que les Françaises et les Français vont accepter, par exemple, de payer plus pour la mobilité ? Est-ce qu'ils vont essayer de réduire leurs choses ? Comment leur faire comprendre ? Et la notion de bien commun, c'est une façon de rendre aux Français, un pouvoir, hein, de leur rendre une responsabilité, de leur permettre de se l'approprier, puisque c'est à la fois leur dire on vous garantit une mobilité pour tous, hein, mais vous êtes aussi responsable de cette mobilité supportable. Donc je crois en cela que c'est un concept qui peut nous permettre, hein, de partager cette responsabilité entre, j'allais dire, les élites dirigeantes, que vous êtes tous ici, hein, et bien évidemment celles et ceux qui, tous les jours, doivent se déplacer, ou celles et ceux qui ont envie de découvrir le monde et de voyager plus, peut-être, mais différemment, hein, pour faire face aux enjeux de la décarbonation. Ça, c'est, à mon sens, les grands sujets de demain. Hein. On a bien vu avec d'autres sujets qu'on avait tenté de réduire, ou en tout cas de mettre un signal prix, et que ça n'avait pas été le succès auquel certains pensaient. La taxe carbone ou la taxe poids lourd n'ont pas été, je dirais, comprises par les Français et ont dû être remisées au magasin des bonnes idées perdues. Oui, merci. Donc, on continue avec les deux dernières slides. Effectivement, la question de l'acceptabilité est une question clé sur cette affaire-là. Je reviens à ce qu'a dit le président de la République, sans citer notre note, mais il a dit clairement qu'il y a deux priorités en France aujourd'hui et d'ailleurs en Europe. L'électrification du parc automobile sur les camions, pour l'instant on n'en parle pas trop, et les investissements dans les transports collectifs. Or, ces deux-là sont... La voiture électrique, aujourd'hui, c'est l'effet rebond, c'est-à-dire qu'on vend surtout des grosses voitures, dont l'ADEME a montré qu'à partir d'un certain poids, ce n'était pas très performant, et les dépenses d'un transport collectif, elles ne sont pas aussi efficaces qu'on croyait. Revenons donc au problème clé. S'il faut, à ces deux mesures qui sont nécessaires, électrification du parc, développement des transports collectifs, si on ajoute la question de la sobriété, c'est la question de la discipline collective. Et ça, en France, la discipline collective, c'est une affaire qui n'est pas particulièrement partagée. Donc, on a un vrai problème d'acceptabilité. Et effectivement, ce que vient de dire Philippe, la question de la tarification. Quand on a commencé ce travail, il y a déjà maintenant, avec Martin Conin, il y a déjà 4 ans, la première note sur les effets externes, puis la seconde sur le prix du carbone, on l'a, c'est un peu de ma faute, on a abordé sous l'angle économique des choses, économique et financier. Or, dans cette note, vous avez compris qu'on entre sous un autre angle. En parlant de bien commun, on ne dit pas d'abord voilà ce que ça coûte et voilà l'argent qu'il nous faut. Mais on a un vrai problème d'acceptabilité. On a un deuxième problème, Louis en a parlé brillamment, c'est la question du financement. Et donc, je peux vous le dire tranquillement, vous lisez le rapport du COI, je peux vous dire ce que nous aurons dans 5 ans. Nous aurons le scénario 1. Voilà. Et la seule façon que le COI a d'éviter cela... Je suis désolé, Louis, je le vois qui fait crise mine, c'est que dans le rapport, ils ont habilement dit, si vous faites le scénario 1 de Bercy, il faut retarder de 5 ans les projets de LGV Castex. Voilà, donc ça, c'est une façon d'avoir cornerisé le ministre, qui n'est pas très content. Mais voilà, on a des problèmes de financement. Enfin, allez voir ce que c'est, les choses sont expliquées dans la note, allez voir ce que c'est que la dette publique. Allez regarder comment s'est financée la Société du Grand Paris, qui va bien. Mais c'est uniquement du financement étranger. C'est-à-dire que ça augmente la dette extérieure de la France et la SGP va bien, mais IDF va mal. Parce qu'on n'a jamais pensé au problème des dépenses de fonctionnement de Grand Paris. Donc, on a des problèmes énormes de financement et d'acceptabilité. Et je pense que on se heurte à un mur, effectivement. Donc, soit le mur, ben on va le rencontrer et puis on aura les contraintes habituelles. Voilà, Bercy, le grand Harpagon limitera les choses. Soit on change les règles du jeu.
ce qu'a dit Louis, vous savez, il le dit délicatement, voilà, c'est l'affectation. C'est-à-dire de dire il y a des recettes dans les transports, une partie de ces recettes de les transports doivent être absolument affectées. Et alors j'entends bien sûr monter, par exemple de Bercy, toutes les voix qui me disent « Ah mais non, l'affectation c'est interdit budgétairement ». Mon œil, le versement mobilité, qui est un truc remarquable, affecté. La sécurité sociale, les allocations chômage, affecté. Et si vous faites ce que j'ai fait la semaine dernière, vous allez sur le site de Bercy et vous regardez la présentation du budget, les 450 milliards de dépenses. Vous vous apercevez que là-dedans, il y en a 213 où c'est marqué, affecté, à l'intérieur du budget de l'État. Et bien sûr, les recettes et les dépenses sont rigoureusement identiques. Je crois que c'est 200, 213 milliards. Tout simplement parce que la TICPE, par exemple, qui est un impôt non affecté, mais comme il est affecté en partie aux départements et aux régions, cette TICPE, elle est affectée directement. Donc, je l'ai dit l'autre jour au CESE où on était interviewé, il est essentiel que dans un pays où on prélève 55 à 60% de la richesse nationale pour la redistribuer, vous ne pouvez pas pêcher ça dans un seul sac et ensuite aller dans le sac. Il faut affecter plus précisément les ressources. Et quand ces ressources... Alors, je ne dis pas qu'il faut affecter, par exemple, toute la TICPE. Non. Il faut aller doucement. Et c'est ce qu'on propose dans le rapport en disant la question clé, elle est sur les routes. Bien sûr, il y a des choses fondamentales dans le ferroviaire, les transports collectifs urbains, etc. Ce n'est pas l'objet de la note. Tout ça, il faut le faire. Le parc automobile, l'amélioration des motorisations sur les voitures, les camions, il faut le faire. Mais l'objet de la note est de dire, regardons, expliquons ce qui se passe. On le voit depuis 10 ans, 20 ans, ça s'est accéléré avec les métropoles gouvernées par des écologistes. Partage de la voirie et nouveaux services de mobilité. Covoiturage. Thomas est dans la salle quelque part. Covoiturage, ligne express d'autocar, parce que ça va être beaucoup plus rapide de mettre en route des lignes express d'autocar sur autoroute ou sur des axes lourds que de mettre en place tout de suite des RER métropolitains. Donc, il faut clairement expliquer que le nouveau partage de la voirie, c'est une façon de montrer que la route restera le mode de transport dominant. Et comme elle sera le mode de transport dominant, ce sera un mode qui sera de plus en plus contraint. Donc, à partir de là, cette contrainte, eh bien, il faut la rendre acceptable. Et la rendre acceptable, c'est de dire, et ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Bruno Le Maire. Donc, il a déjà dit avant la COP26, il existe une contribution climat-énergie en France, d'à peu près 10 centimes par litre, c'est 5 milliards d'euros par an. Cette contribution, elle doit être affectée aux investissements, et notamment aux investissements de transport collectif. On pourrait aussi imaginer les investissements qui sont gigantesques et sur lesquels on n'a pas un sou pour mettre en place les bornes de recharge pour les voitures, mais aussi pour les camions. Et là, derrière, avec tout ce qu'il faut faire sur le réseau, voilà, le schéma n'est pas simple. Mais il faut dire clairement, vous payez actuellement 10 centimes de TICPE, qui s'appelle Contribution Climat-Énergie depuis 2014, ces 5 milliards doivent être affectés. Et voilà à quoi on les affecte. Par exemple, et là, je vois que Louis sourit, il a repris le moral. Deuxièmement, les concessions autoroutières. Les concessions autoroutières, c'est un truc fabuleux. C'est comme le versement mobilité. Il ne faut surtout pas les abandonner. Il faut surtout garder le péage autoroutier. Mais ça a été dit par Philippe, les choses changent à toute vitesse du côté européen. On a à la fois la directive Eurovignette, qu'on est en train de transposer en droit français, mais il ne faut surtout pas la transposer en disant « Ah ben, on va la transposer pour que nos systèmes autoroutiers soient d'équerre ». Non, il faut la transposer en disant « L'eurovignette, c'est la tarification de 25 000 km de route en France, et pas de 10 000, pas de ce qui est actuellement sous concession ». C'est-à-dire que ce qu'il y avait, en fait, dans le projet d'éco-redevance. Et il faut reconstruire notre système de tarification des infrastructures majeures de France, à peu près 25 000 km, sur la base de l'eurovignette et pas avec le schéma mental des anciennes concessions. Alors après, les concessionnaires ne vont pas forcément disparaître. C'est surtout pas ça. Ils ont un vrai savoir-faire. Mais il faut repenser ça. Et là aussi, on voit bien l'affectation. Parce que si cet argent, on sait où il va, c'est quelque chose qui est fondamental. Et je termine, évidemment, avec ce qui se passe sur les métropoles. Bien évidemment, il y a déjà beaucoup de choses. Il va falloir bouger là aussi. L'autre jour, on avait la séance sur le financement des transports en Île-de-France. Et clairement, IDFM est hémiplégique. IDFM s'occupe de la mobilité dans les transports collectifs, mais ne s'occupe pas des routes, ni du périphérique, même s'il y a des passes d'armes entre Mme Hidalgo et Mme Pécresse. Il est évident qu'à terme, il faut regarder ce qui se passe à Oslo ou ailleurs, en disant, ou à Londres, ou même d'ailleurs à Lyon. C'est la même autorité qui a dans ses mains la route
et les transports collectifs. À Lyon, c'est encore deux mains, comme la droite et la gauche, comme dit Bourdieu à propos de l'État. Il faut que ces deux mains travaillent ensemble. Et travailler ensemble, ça veut dire qu'effectivement, on peut imaginer une tarification de la mobilité routière qui permettrait d'avoir accès à un pass pour d'autres services de mobilité. Parce qu'évidemment, aujourd'hui, ce n'est pas seulement le tram, le bus. C'est le covoiturage, c'est les vélos en libre-service, c'est les autocars express et c'est l'usage de la route par les voitures et du stationnement. C'est vers l'intégration de tout ça qu'il faut aller. C'est une belle affaire, mais on est là pour en discuter. Merci Yves pour cet exercice, j'allais pas dire de synthèse, mais en tout cas ces éclairages. Nul doute qu'on reviendra tout à l'heure sur la partie bien commun, puisque l'économiste a ouvert des champs de réflexion philosophico-politiques, et je pense que ça intéresse beaucoup nos différents interlocuteurs. Et peut-être avant de redonner la parole à Philippe, deux petites questions. Affecter les ressources, c'est d'une certaine façon diminuer le pouvoir exécutif, enfin sa puissance. Est-ce que ça, c'est pas un élément de résistance du dit pouvoir exécutif que d'emprunter des chemins balisés qui réduisent sa propre puissance? Ouais. Le problème est plus de responsabiliser les décideurs locaux que de priver le décideur central de ses recettes. Je pense à un papier que Martin Vanier a fait récemment sur Telos, où il dit que la fiscalité locale est à bout de souffle. On voit bien que ce qui se passe dans ma communauté de communes, moi je suis maire d'une toute petite commune, dans ma communauté de communes, les relations financières des habitants avec la communauté de communes sont aujourd'hui essentiellement celles de biens marchands, de services publics, industriels et commerciaux. C'est-à-dire que les habitants payent l'eau, ils payent un système de déchets très performant, très incitatif d'ailleurs. La taxe d'habitation a disparu. Dans notre communauté de communes, jusqu'à l'an dernier, il n'y avait pas de taxe foncière. Et donc les habitants voient l'intercommunalité comme un système qui vous fournit des services marchands. Et ça, je pense que ce n'est pas une régression. C'est une bêtise d'avoir supprimé la taxe d'habitation. Bon, ça, je ferme la parenthèse. Mais le fait qu'il s'agit de responsabiliser les habitants. Donc le discours des collectivités locales est de dire, écoutez, nous, on s'occupe des routes, on s'occupe des déchets, on s'occupe de l'eau, on s'occupe des écoles, etc. Il y a des biens et services publics gratuits qui peuvent être financés par l'impôt. C'est le cas des écoles, par exemple. Il y a des biens et services qui provoquent des problèmes de pollution, de coûts externes. Et ça s'appelle des biens communs. Eh bien, pour ces biens communs, en tout cas en zone urbaine, pourquoi ne pas mettre en place aussi un système de tarification? Et je pense que là, il y a un vrai discours de responsabilité à avoir avec les élus et avec les habitants. Cette note remet la route un peu au centre du jeu, oui, à la mesure de sa part modale et de l'usage quotidien de la part d'une grande majorité de nos concitoyens. Il y a un passage quand même qui m'a alerté sur une certaine sévérité à l'endroit des investissements dans le transport collectif, en disant qu'après tous ces efforts financiers, la part modale n'était passée que de 10 à 11%. Mm-hmm. Et donc, ça pose la question des rendements décroissants de l'action publique. Mais dans le même temps, ça, c'est une valeur relative. Dans le même temps, les transports collectifs ont absorbé une grande partie des surfréquentations ou de l'augmentation des mobilités. Philippe disait qu'on était en mobilité sans contrainte depuis quelques dizaines d'années. Est-ce que donc ce constat n'est pas un peu sévère? Heureusement, finalement, qu'on a consenti tant d'argent pour éviter une sorte de thrombose routière pendant ces 30 dernières années. Non, mais alors peut-être que le constat est sévère parce que, à comparer d'autres pays, on s'aperçoit que peut-être les investissements n'ont pas été les bons. Je vais dire deux choses désagréables. J'ai entendu beaucoup d'élus dire « on veut à tout prix mettre en place une redevance poids lourd, etc. » Si cette redevance poids lourd est faite pour financer des grands projets dont les études ont montré qu'ils n'avaient qu'une faible utilité sociale, je m'inquiète. Quand je vois M. Farandou dire qu'il faut 100 milliards pour le ferroviaire, il a tout à fait raison. Il dit d'ailleurs qu'il faut 10 milliards pour le réseau express métropolitain et pas 1 milliard, comme c'est évoqué aujourd'hui. Mais dans les 100 milliards, il y a 55 milliards pour les lignes nouvelles TGV. Et là, je dis sobriété et rendement décroissant. La ligne Paris-Lyon, on l'a construite avec des fonds propres de la SNCF. La ligne Tours-Bordeaux, c'est 50% de subventions publiques. La ligne Bordeaux-Toulouse, ça va être 100% de subventions publiques. Autrement dit, plus vous allez, et plus, bien sûr, plus on est dans les réseaux, moins ils sont performants. Donc je pense que clairement, aujourd'hui, ce dont on a besoin, c'est d'investir dans c'est pour ça que c'est des rendements décroissants. Il faut investir dans les réseaux là où ils sont. Aller à New York, le métro est dans un état catastrophique. Il leur faut des milliards d'investissements dans le métro.
ils n'auront pas beaucoup plus de trafic. Parce que tout simplement, les lignes sont déjà très utilisées. Donc parce que nous sommes riches et parce que nous avons des équipements extrêmement importants qu'il faut moderniser, et c'est pour ça qu'on a bien fait d'investir dans les transports collectifs, ce qui se passe dans les villes françaises, et ce qui s'est passé a été remarquable depuis 20 ans, mais il faut savoir qu'on le fait avec des rendements décroissants. Et qu'à partir de là, ben, peut-être que de vouloir créer des lignes ferroviaires nouvelles, c'est peut-être pas la bonne solution. Voilà, voilà pourquoi je suis très méfiant sur les demandes de recettes nouvelles pour financer des infrastructures nouvelles peu performantes, alors qu'il faut d'abord mettre les recettes sur la rénovation du réseau ferroviaire, par exemple. Donc priorité au transport du quotidien, telle qu'elle avait été dictée le 1er, le 1er juillet 2017. Priorité de Macron 1, première formule. Et priorité, depuis longtemps... Des différents scénarios établis par TDIE, par Mobilité 21, etc., à cette régénération et à ces efforts oui. sur la mobilité quotidienne, Philippe ? Tout à fait. Mais je dirais d'abord qu'il y a un mot qui m'a frappé dans ce qu'ont dit Louis et Yves, c'est le mot affectation. Quand on se souvient de la création de TDIE, il y a 22 ans maintenant, certains en étaient ici. Eh bien, le grand leitmotiv du regretté Jacques Oudin, c'était affectation. Hein. On ne réglera jamais les questions d'infrastructure et de transport tant que non, on n'affectera pas à une entité qui la préserve et qui la distribue les ressources qui doivent aller au transport. Et je crois qu'on y est partiellement arrivé avec la création de l'AFITE, même si ces affectations, notamment des redevances autoroutières, ne sont pas suffisantes pour satisfaire les besoins d'infrastructures, mais c'était déjà un problème. Le deuxième sujet, et le deuxième point que l'on évoquait, et qu'on n'a pas cessé d'évoquer à TDIE depuis 20 ans, c'est celui de loi de programmation. Il y a des lois de programmation partout en Europe, pas en France. Hein. Et ici, on a avancé, je dirais, avec la première déclaration du président de la République en 2017 à Rennes, lorsqu'il a annoncé une programmation et la création du COI. Le résultat n'était sûrement pas tout à fait à la hauteur des membres du COI, mon cher Louis, mon cher Bruno, hein, mais l'article 1 de la LOM a fixé déjà un programme. Et c'était déjà une étape. Mais cette étape, il faut... c'est-à-dire la prolonger, aller plus loin. Et on attend avec impatience et le rapport du COI et le scénario que le ministère des Transports et le gouvernement mettront en place. Ça me semble tout à fait évident. Enfin, ce que je crois, c'est que on sort d'un certain manichéisme anti-route. Il y a eu un déni de la route depuis les assises de l'environnement. On ne parlait plus de route. Il était impossible de l'inscrire ou de la financer. En tout cas, aucun ministre ne voulait porter ça, et affecter, porter ça et en faire, dégrader sa respectabilité et sa renommée. Hein. Aujourd'hui, il faut bien constater que la route, c'est 80% des déplacements. Et que c'est le cœur du sujet de la décarbonation. Le ferroviaire, il est peu carboné. Hein. Le fluvial, il est peu carboné. Et donc, si on veut arriver à ces objectifs que l'Union européenne nous fixe à l'horizon 2030, puis 2050, eh bien, il va falloir s'attaquer non pas à la route, mais aux véhicules. Hein. Mais, et comme le dit aussi, Yves, si on veut enrichir nos mobilités, on le fait avec... toute une série d'initiatives, notamment autour des mobilités actives, il faut partager autrement la voirie. Dans le rapport sur les transports que j'ai fait il y a 2 ans, c'était une des suggestions que j'avançais, et notamment aussi de confier aux AO les problématiques de voirie et de stationnement. Hein. Moi, ça m'avait frappé dans un voyage de TDIE à Londres il y a une dizaine d'années, de voir que la police... du sol et du sous-sol, des transports, étaient dans la même main à Londres. Et je crois qu'aujourd'hui, il faut donner aux AO, qui sont d'ailleurs à peu près les grandes métropoles ou les grandes intercommunalités françaises, cette responsabilité, car le stationnement, c'est une façon de réguler aussi la mobilité. Donc on a encore du travail à faire, et ça, ça coûte pas forcément très cher de changer la responsabilité entre communes et intercommunalité.
en matière de police du stationnement, en matière de voirie, en matière de mobilité. On a, je dirais, des outils pour le faire. Il faut simplement convaincre les élus locaux, compenser les pertes de recettes du stationnement qui allaient à la ville et qui iront demain à la métropole, à la communauté urbaine, à la communauté d'agglomération. Ici, il y a, je dirais, beaucoup à faire, mais à moindre frais peut-être là, ici. Merci beaucoup à tous les deux. Merci pour ce propos introductif. Alors, j'imagine que vous avez déjà beaucoup de questions, mais on les prendra à la fin des différents échanges. Je vous le promets, il y aura cette foire aux questions ici même et puis à distance. Je voudrais vous proposer de continuer maintenant tout de suite sur le programme que nous avons fixé avec une première, ce qu'on appelle une lecture commentée, une première intervention avec Anne-Marie Drac, que vous connaissez tous et qui, par la diversité de ses parcours, de ses compétences, a un regard à la fois précis et panoramique sur toutes ces questions. Et on a envie de vous entendre, Madame la Ministre, sur la façon dont vous envisagez ces questions essentielles de décarbonation et de moyens pour y parvenir. Bonjour, merci de votre invitation. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Et puis, j'ai l'impression d'avoir... Voilà, plusieurs décennies de travail collectif et amical dans cette salle, c'est très intéressant. Bon, je voudrais vraiment saluer ce travail. Hein. Et d'ailleurs, depuis que j'ai reçu le document, j'en ai recommandé la lecture à toutes sortes de gens. Il est très, très intéressant. J'ai beaucoup appris. J'ai passé une bonne partie de mon week-end dessus et du coup à relire aussi un certain nombre d'autres documents qui accompagnent, hein, en fait, et qui sont souvent cités, les travaux du CGM, du Conseil général du développement durable, etc., etc. Les analyses sont très, très claires. En particulier sur les externalités et sur les différents modes de taxation, et pour ne pas dire de financement, mais j'en reviendrai après. Et puis il y a une dimension européenne qui est évidemment très, très importante et dans laquelle nous nous retrouvons tous, enfin, en tout cas la plupart d'entre nous. Je vais donner quelques idées générales et puis peut-être me concentrer sur les marchandises et le transport des marchandises qui est moins traité. Il faut bien le dire dans la note, mais il y aura certainement d'autres travaux. Alors d'abord... Sur la notion de bien commun, je n'ai pas besoin de la commenter, je suis complètement d'accord. Bon. Sur le fait qu'aujourd'hui, il y a des limites environnementales, mais pas simplement le CO2, mais il y a des limites environnementales à une espèce de valeur mobilité universelle, comme vous le dites, la valeur mobilité sans frontières. Je comprends très bien. Les mots sobriété, planification, je comprends d'autant mieux que ce sont ceux que nous employons en matière de logistique, mais que ce sont ceux dans lesquels nous nous retrouvons. Quand vous dites planification systémique, ça veut dire systémique, ça veut dire en allant faire de la prospective un peu en dehors des transports. Hein. Par exemple, pour les voyageurs, ben, c'est la démographie, c'est le télétravail, c'est le rapport au travail de manière générale. Et puis, si je fais un petit focus un peu plus profond sur les marchandises, puisque, encore une fois, ça a été moins évoqué, là, agir sur la demande, on est sur un vrai pacte social, sur un pacte productif, puisque, excusez-moi, j'enfonce une porte ouverte, mais les clients des transports de marchandises, ce n'est pas les marchandises. Les clients des transports de voyageurs, c'est les voyageurs. Les clients des transports de marchandises, c'est qui ? C'est les producteurs. De biens. C'est vrai qu'on est une économie de service, mais enfin, quand même, on espère se réindustrialiser. Ce sont les distributeurs, différentes formes de distribution. Et au final, ce sont des clients, essentiellement B2B, comme on dit, et au final du final, des particuliers. Donc, évidemment, agir sur la demande dans un univers qui est évidemment complètement de marché. Hein, il n'y a pas de versement mobilité là-dedans. Hein. Bon. Dans un univers qui est complètement de marché, ben, on ne sait pas trop comment faire. Il faut s'interroger sur, évidemment, les comportements des consommateurs en lien avec le pouvoir d'achat. Pouvoir d'achat, d'ailleurs, comme le rappelle justement la note, qui sera, entre autres, affectée
par le financement de la transition écologique, hein, des voitures qui coûtent plus cher, des chaudières qui coûtent plus cher, de l'isolation des bâtiments qui coûtent plus cher. Bon, enfin bref, donc comportement des consommateurs. Localisation des usines en France, ailleurs. Économie circulaire, la loi AGEC, là, à laquelle j'ai commencé à m'intéresser, la reverse logistique. Quoi. Intuitivement, j'ai l'impression que plus d'usines en France et plus d'économie circulaire, ça va faire plus de transport, mais j'en suis pas sûr, mais c'est intuitif. Il y a toute la question du maillage des lieux de distribution. Évidemment, si les marchandises arrivent par Anvers, c'est moins bien que si elles arrivaient par Le Havre. Et si les entrepôts sont à 50 km de leur lieu de distribution, c'est plutôt moins bien que s'ils étaient plus près. Bon. Voilà, donc on est vraiment sur des sujets de pacte économique et social et d'aménagement du territoire. Et c'est très intéressant de voir que dans le projet de loi, enfin ce n'est pas encore un projet, mais dans les textes qui se préparent sur l'industrie verte, lequel j'ai la chance d'être associé par les ministres, eh bien, l'industrie verte, c'est l'industrie slash logistique verte, en particulier sur tous les sujets d'aménagement du territoire et de programmation des moyens verts de faire de la logistique. Donc voilà, donc OK sur le bien commun, mais qu'est-ce que c'est que le bien commun ? C'est pas si facile que ça, et c'est pas simplement un bien commun transport. Ça, je le dirai après. Alors, ensuite, la deuxième chose qui m'a frappée, c'est sur les questions de l'offre. C'est quand même impressionnant pour nous tous de voir écrit noir sur blanc dans un papier TDIE que la dépense publique a un rendement décroissant. Alors, c'est assez normal, hein, vous l'avez bien rappelé, Yves, parce que ben, voilà, on a fait les meilleurs projets au début. Bon. Enfin, c'est quand même un tout petit peu ennuyeux, je trouve, de dire la dépense publique est de moins en moins efficace, mais pourtant il faut plus de dépenses publiques. Il y a une petite chose là où il faut, en termes d'acceptabilité sur la sobriété de l'argent public, hein, je reprends les mots, acceptabilité, sobriété, bon, il y a quelque chose sur lequel il faut travailler. Sans doute que les projets ne sont pas forcément bien choisis. Peut-être, oh, je ne voudrais pas, mais peut-être qu'il y a un problème de productivité dans la conception et dans la mise en œuvre et dans la construction des projets. Peut-être qu'on peut faire des économies, je ne sais pas, mais peut-être que c'est quelque chose qu'on pourrait rajouter. Hein, voilà. Bon. Il y a peut-être des économies à faire, ça serait toujours ça de prix. Bon. Et puis, il y a des priorités. Alors, moi, je suis fanat des bus ou des cars sur voie réservée. Alors, vous êtes plusieurs ici à avoir promu l'idée qui est en train de devenir mainstream. Et d'ailleurs, je pense même qu'une bonne partie des fameux RER métropolitains sont et seront des projets comme cela. Tant mieux, ça coûtera moins cher, et tant mieux, ça prendra moins de temps. Voilà. Donc j'aime bien cette idée de mettre le focus sur la route, parce qu'effectivement, c'est 80% des déplacements, et ça le restera, y compris pour les marchandises, dans nos rêves les plus fous. Hein. Si les marchandises en France représentaient 18% du marché, ça serait l'accomplissement de nos vies. Bon, sauf qu'il en resterait 80 et quelques pourcents sur la route. Bon. Donc voilà, sur les projets. Alors, en ce qui concerne les besoins de projets pour les marchandises, c'est pas compliqué. On a besoin de sillons pour développer le ferroviaire. Des sillons, c'est ça le sujet. Et l'ART a certainement un rôle à jouer pour la répartition de ce bien commun, encore un, que sont les sillons entre les voyageurs, les travaux et les marchandises. C'est vrai qu'il n'y a pas de place pour tout le monde, donc il faut bien choisir. Bon. Toujours sur le ferroviaire, nous sommes attachés évidemment à la régénération générale du réseau, et puis quelques focus particuliers sur les aiguillages, sur des plateformes de transport combinées et sur la desserte des ports, puisque c'est quand même dans les ports qu'on va réussir peut-être à massifier le plus et donc à développer le transport de marchandises par le train. La deuxième chose dont nous avons besoin, c'est la priorité absolue, c'est la décarbonation des camions. Bon. Alors, je vais vous donner des chiffres. Donc, les camions, c'est 40 000 immatriculations par an. La capacité de production de camions électriques en France, actuellement 500 par an.
le nombre de camions aidés l'année dernière, comme le sont les voitures, vous savez combien ? 84. 84 camions ont été aidés l'année dernière. La capacité de production est d'environ 500. Les ambitions de la stratégie nationale bas carbone, que nous sommes plusieurs ici à animer au ministère, pour l'ensemble des transports ou pour ce volet-là, c'est autour de quelques milliers. Bon, donc ça, c'est la deuxième priorité. On parle de la route. La route, il faut d'abord que les camions qui circulent dessus deviennent verts. Il y en a pour 20 ans, mais autant pas trop tarder. Et la troisième chose que l'on souhaite, ce sont des lieux de stockage qui évitent de faire du transport inutile. Parce que c'est quand même là aussi le grand sujet, comme je disais tout à l'heure. Les usines, les distributeurs, les différents lieux de stockage, déstockage, groupage, dégroupage, et ça finit par arriver chez votre pharmacien, chez vous, etc., etc. Donc en termes d'offres, c'est ça dont a besoin la logistique et le transport de marchandises sur l'offre, donc, comme vous le disiez, plutôt focalisé sur la route. Mais nous, la route, voilà, on verra bien ce que retient le COI. Il y aura peut-être quelques projets routiers. Mais nous, la route, c'est surtout, en fait, ce qui roule dessus, parce que bon, notre réseau est pas si mal. Ensuite, il y a le sujet ressources. Bon, il y a des avantages et des inconvénients aux ressources affectées ou aux ressources pas affectées. Les armées se portent très bien de ne pas être affectées. Bon, nous, on est mixte. On est, enfin, nous, les transports. On fait partie de la même communauté. On est mixte hybride. Hein. Donc, il y a une partie affectée et une partie pas affectée. Bon, voilà. C'est un peu des histoires de tuyauterie. Vous voyez, par exemple, mes 84 camions, là, sont arrivés par 3 tuyaux différents. Donc, si vous voulez, il y a... Bon, mais peu importe. Et je comprends très bien votre idée. Bon. Alors, j'ai une question pour vous trois, là. C'est, vous dites que ça va être à ressources constantes. Mais si c'est à ressources constantes, il n'y a pas d'argent en plus. Donc, s'il n'y a pas d'argent en plus, qu'est-ce que ça... Pourquoi ? Voilà. Il y a quelque chose que je n'ai pas très bien compris. Ou bien c'est qu'en fait, il y a de l'argent en plus. Ou c'est qu'on prend de l'argent aux autres utilisateurs, bénéficiaires des taxes. Mais à ce moment-là, bon, on est en concurrence, quoi. Bon. Donc il y a quelque chose que je n'ai pas très bien compris dans la logique de la note. Bon. Vous dites que le principal intérêt de taxes affectées, et c'est le cas, c'est ce qu'on lit dans tous les travaux sur le taxe carbone, hein, Christian Gaulier ou autre, bon, c'est l'acceptabilité. L'acceptabilité dans tous ces travaux, elle est slash équité. Bon. Donc il faut effectivement beaucoup travailler là-dessus. Alors, sur l'urbain, c'est mal barré. C'est engagé autrement. Puisqu'on a refusé, dans le contrat social, on a refusé le péage urbain, et on met en place les ZFE, qui sont un péage sans les recettes et sans la capacité de moduler, par exemple, pour des tarifications sociales. Et avec des phénomènes d'exclusion, aussi bien pour les personnes que pour les camions. Au passage, il y a un report modal tout à fait désagréable du point de vue écologique, puisque ça fait un report modal qui va des camions vers les véhicules légers. Lesquels véhicules légers sont beaucoup moins efficaces au point de vue écologique et économique, puisque ça va absolument ensemble. Donc, il y a un report modal un peu bizarre, là, qui a l'air de faire plaisir, mais qui est quand même beaucoup moins efficace. Hein. Un VUL de 3,5 tonnes, c'est 10 fois moins efficace qu'un camion de... Voilà. Donc là, c'est pas très, très bien barré. Les grandes lignes, les grandes distances... Bon, comme vous l'avez dit vous-même tout à l'heure, Yves, bon, imaginez qu'on va obtenir de l'acceptabilité en taxant la route pour faire des transports en commun dont on dit par ailleurs qu'ils ne sont pas tellement efficaces et qui seront construits dans 10 ans. Bon, c'est pas évident, quoi. Hein. C'est pas évident, mais vous l'avez dit, donc je ne fais que redire les choses. Voilà.
sur maintenant les conclusions, il me semble que TDIE, et d'ailleurs tous ceux qui travaillent là-dedans, on a vraiment intérêt à travailler avec maintenant une double comptabilité euro-CO2. C'est-à-dire, quelle est l'efficacité CO2, donc les tonnes de CO2 évitées. Je sais que, par exemple, Transdev, je dis ça parce que je vois Thierry là, mais bon, il travaille comme ça. Bon. Il y a des endroits où ce n'est pas le transport ferré qui est plus de tonnes évitées. Ça peut être, par exemple, des bus express, justement. Bon. Donc, quelle est la quantité de CO2 évitée par tel ou tel projet? Deuxièmement, quelle est l'efficience, c'est-à-dire le coût par tonne de CO2 évitée? On va avoir quelques surprises. Alors, c'est vrai que c'est compliqué, puisque comme le rappelle très très bien la note, là, il y a une des fiches sur le coût du CO2, bon, et les différentes méthodes de calcul et les choix implicites qu'il y a derrière le prix du CO2. Bon. Donc, c'est des méthodes qui vont être très compliquées pour évaluer tout ça. En plus, il y a une concurrence entre les méthodes. Hein. Il y a des tas de méthodes privées, il y a des méthodes publiques, même à l'intérieur de certains organismes publics, il y a plusieurs méthodes. Enfin, bon, c'est un marché qui marche, hein, l'évaluation de la tonne de CO2. Mais enfin, n'empêche que c'est, je pense, extrêmement important. D'ailleurs, il y a, au passage, dans votre affaire, sur ces questions d'évaluation, est-ce qu'on parle en ACV ou pas ? Bon, nous, Français, nous avons tendance à penser que oui, bon, on est à peu près les seuls en Europe, mais comme on est TDIE, bon, peut-être qu'on peut faire avancer cette idée. Bref, il y a encore de beaux travaux devant nous. Et je me permets de souligner, mais vous l'avez annoncé, que les modèles économiques de la voiture, enfin, des voyageurs et des marchandises, c'est quand même pas les mêmes. Hein. C'est quand même pas les mêmes. Je termine par quelques exemples. Bon, on veut développer les bus, il faut développer les bus. Bon. Pour les marchandises, c'est les camions. Ça existe. Bon. On veut massifier. Non. Bah, c'est le cas. Je veux dire, il n'y a pas d'autosolisme. Hein. Bon. Puisque, évidemment, les acteurs ont intérêt à remplir leur véhicule. Je parlais récemment avec la fédération de la cyclo-logistique. Ben, eux aussi, il faut qu'ils remplissent. Bon, 350 kilos, évidemment, c'est moins que 40 tonnes. Mais enfin, bon, ça fait toujours ça de prix. Bon. Donc, il y a effectivement certaines différences. Et puis, il y a les limites que je vous ai indiquées qui sont largement des limites physiques. Quoi. Les sillons, le fait qu'il n'y ait pas de camion vert. Et puis il y a un dernier point que je voudrais dire, peut-être un peu plus technique, c'est l'histoire des données. Un des sujets sur lesquels on n'est vraiment pas très bon, mais c'est pareil à l'échelle européenne, parce que j'ai cherché aussi partout un peu des données sur les vrais flux, sur la façon de mutualiser davantage, etc. Bon, pas évident. Pas évident. Personne ne sait ce que vont donner les relocalisations. Personne ne sait ce que veut dire le développement du commerce multicanal, etc., etc. Bon. Et les acteurs n'ont pas tant que ça envie de partager les données. Je travaillais il y a 2 jours avec un grand groupe cosmétique, leader mondial de la cosmétique. Hein, et ils m'ont expliqué qu'entre deux marques, on ne pouvait quand même pas partager les données sur les livraisons de crème. Parce que, voilà. Donc, ce n'est pas si facile que ça. Donc, il y a encore un autre beau sujet d'étude sur les données. Voilà. Et puis, alors, je termine, mais ça, vous me connaissez, je dis ça à chaque fois. C'est que la mobilité, elle n'a pas seulement comme but d'être décarbonée. Quand j'ai lu cette phrase, je me suis dit, ah, je suis chez moi. Mais la phrase disait, il faut aussi qu'elle soit bio, diversité, etc. Oui, 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 oui. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas aussi qu'elle soit au service... comme c'était avant, bon, qu'on imagine de tout arrêter, eh bien, que ça puisse être de l'aménagement du territoire, que ça puisse être de l'inclusion sociale,
que ça puisse servir au développement économique du pays, que ça puisse servir, pourquoi pas, à sa souveraineté. Bon, voilà. Donc, elle n'a pas seulement pour vocation d'être décarbonée, mais peut-être aussi un tout petit rapport, mais vous me l'avez souvent entendu dire, entre la liberté, l'égalité, la fraternité, la prospérité. Enfin, en tout cas, bravo, bravo pour ce travail, c'est formidable. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Anne-Marie Idrac. Je vous propose de rebaptiser cette matinée TDE, matinée disruptive, hein, avec les 84 camions, etc. Plein d'infos aujourd'hui qui rompent un peu. Je voulais juste vous poser une question, si vous le voulez bien, à propos des moyens de mieux valoriser les comportements vertueux, les solutions vertueuses. Vous avez parlé de l'évolution du marché carbone, qui est aujourd'hui quand même une sorte de naufrage à l'échelle mondiale. Qu'est-ce que vous recommanderiez ? Plus de radicalité, des nouvelles taxes qui favoriseront les comportements vertueux. Qu'est-ce que vous verriez comme piste immédiate pour encourager cette transition, cette mutation ? Comme l'a dit Yves Crozet tout à l'heure, en termes de taxation et de dépenses publiques, bon, on n'est pas démunis en France. Hein, bon, voilà, donc, nouvelles taxes, je ne vois pas... Attends. Il y a des choses que je trouve très, très, très intéressantes. Quand on dit que pour faire évoluer la demande, en fait, la demande, c'est celle des chargeurs. Donc, il faut travailler sur les chargeurs. C'est ça, le sujet. Hein, bon. Il y a quelque chose que je trouve très, très, très intéressant, mais qui n'a rien à voir avec les transports. C'est l'évolution des reportings extra-financiers auxquels sont contraintes les entreprises cotées. Bon. Dans les reportings extra-financiers, vous connaissez ça certainement très bien, il y a le fameux scope 3, c'est-à-dire les achats. Et il y a de plus en plus d'entreprises qui, devant faire un reporting au titre du scope 3, disent, ben voilà, sur les transports, moi, j'ai mis un système de covoiturage pour mes salariés. J'ai renoncé aux voitures thermiques pour les voitures de fonction. Je gère autrement ma flotte. Oui, je n'ai pas parlé tout à l'heure des flottes, mais bon, il y a un gros sujet flotte, hein, puisque on va quand même vers moins de possession et plus de partage des véhicules. C'est le cas pour les voitures, et ça pourrait aussi être le cas pour les camions, pourquoi pas. Bon. Je crois que sur ces sujets-là, il y a énormément à parier. Vous voyez, par exemple, il y a quelques années, on disait le fret ferroviaire, c'est trop cher. Et c'est pour ça que les gens n'en veulent pas. Et du coup, on disait, bon, à la française, on va taxer les camions pour rendre plus cher les camions et donc remplir les trains. Bon. Taxer les camions n'a jamais créé de sillon. Hein. Bon, enfin, il se trouve que maintenant, c'est très intéressant, hein, c'est depuis 2-3 ans, on n'a plus de sujet de demande. Et je pense que et donc le sujet qu'on a, c'est d'offres. C'est ces sillons. Et on n'a plus de sujet de demande parce que les évolutions de la société, ces reportings, la pression des salariés, la marque employeur, tout ça, ça va dans le même sens d'une volonté de verdir. Bon. Et évidemment, les logisticiens, ils sont complètement dans cette logique-là. Hein. Là, ça va sans dire. Enfin, c'est pour ça que j'ai, avec mes différentes casquettes, aucune schizophrénie à dire sobriété et planification, oui. Donc, voilà, c'est ce genre de choses. Bon. Vous voyez, là, il y a 2 ans, Madame Pompili, qui était à l'époque ministre de l'Environnement, m'avait demandé de travailler, je crois que c'était avec France Stratégie, enfin, en tout cas, bon, on a travaillé sur une charte pour... Enfin, 2 chartes, en fait. Une sur l'implantation d'entrepôts verts. Bon. Et on voit bien que les clients des entrepôts, ils ont envie d'avoir des entrepôts plus denses, plus verts, qui respectent plus la biodiversité, etc., etc. Bon. Les clients en ont besoin. Alors, le problème, c'est que faire des entrepôts plus denses, il faudrait pouvoir aller en hauteur et qu'on n'a pas le droit. Bon, enfin, peut-être qu'on va finir par faire évoluer les réglementations. On ne sait jamais, comme dans d'autres pays qui ne mettent pas en danger leur population, tant que ça, en Hollande, au Japon. Bon. Donc, une deuxième charte, c'était avec les e-commerçants. Et ce qui est apparu, par exemple, c'était l'énorme question des emballages. Je crois... Des tas de choses qui sont extérieures à notre domaine, qui sont de l'ordre de la consommation, de l'ordre du marketing, de l'ordre du packaging. Par exemple, il y a plus d'emballages selon les circuits de distribution. Il y a plus d'emballages
pour mettre dans des magasins, enfin, des emballages différents pour mettre des choses dans des magasins ou pour les envoyer directement sans passer par les magasins, donc par le e-commerce. Bon. Voilà, il y a des tas de choses comme ça. Et puis, il y a la question du prix. Parce que, bon, on considère le transport, à la fois pour les voyageurs et pour les marchandises, comme quelque chose qui ne doit pas être cher, hein, avec cette aberration de la gratuité. Aberration de la gratuité, donc, pour les voyageurs. C'est-à-dire, on a besoin de plus d'argent et on fait de la gratuité. Vous le soulignez à juste titre dans votre... Bon, il faudrait quand même savoir qu'on peut difficilement demander plus d'argent aux contribuables si on est par ailleurs sur la gratuité. Mais pour les marchandises, c'est d'une certaine mesure un peu pareil. Enfin, bon, il n'y a pas d'argent du contribuable dans les marchandises du tout. Mais c'est assez aberrant quand même que le prix du transport et de la logistique soit aussi peu cher et aussi peu valorisé. Puisque dans la réalité, ces coûts ne peuvent qu'augmenter. Parce que... coût de l'énergie, CO2, camions, données, etc. etc. Voilà, donc j'ai du mal à répondre. Un problème, solution, la taxe. Voilà. Je préfère aller plus profond, comme vous-même le proposez, c'est-à-dire sur le contrat social, le bien commun, le style de vie, le type de projet dont on a envie et besoin. Anne-Marie Drac. Je vous demande maintenant d'accueillir Fanny Arave, qui est à la fois membre du CESE et syndicaliste à l'UNSA Ferroviaire, économiste de métier, et qui va nous commenter aussi cette note. Peut-être quelques mots avant d'avoir un focus sur la valeur du temps et sur le nouveau paradigme proposé par cette note. Quelques mots sur cette note, Fanny ? Je suis plus petite. Oui, bien sûr. Déjà, bonjour à toutes et à tous. Donc, comme tout le monde, je lis avec attention cette note qui permet effectivement une nouvelle lecture, qui offre un peu une nouvelle lecture des grands enjeux qui s'offrent à nous à travers cette notion de sobriété, de régulation, de bien commun. Et je trouvais ça particulièrement intéressant parce qu'on est nombreux à tourner finalement autour de ces notions-là. Notamment le concept de sobriété qui est bien redéfini avec ces quatre concepts, quatre différenciations, la sobriété d'usage, de dimension, de substitution, de collaboration. Parce qu'on parle de différents moyens, de différents usages, de changer de mode, d'avoir peut-être des véhicules plus légers, plus petits, d'avoir plus de mise en commun. Il y a manières différentes d'organiser donc, cette sobriété. Par contre, là où j'aimerais peut-être mettre un peu un accent, c'est que cette sobriété, ce n'est pas qu'une question de comportement individuel. Elle doit véritablement s'inscrire dans une politique publique qui permette d'avoir des propositions alternatives et d'avoir une vision un peu globale et de faire de cadrage. Donc d'avoir effectivement, si on veut parler de déplacement, si on veut limiter des déplacements, peut-être effectivement on pense à l'aménagement du territoire, l'urbanisme, le vieux sujet de la coordination entre urbanisme et transport, qui sont évidemment là dans l'organisation des territoires, mais surtout, et c'est un point qui a été évoqué et que je trouve particulièrement important à plusieurs titres, c'est celui de garantir une juste répartition de l'effort. Tout le monde a à faire des efforts dans cette transition écologique. Mais comment faire en sorte que chacun la porte et porte des efforts à la hauteur de ses possibilités et de ses besoins? Ça, c'est une vraie question, et pour cela, il est nécessaire, effectivement, d'avoir une régulation. Car je porte une attention sur la sobriété subie qui s'impose, c'est une nouvelle forme de pauvreté. Et ce n'est pas qu'un ressenti, ça peut être une nouvelle forme de pauvreté. Donc attention, effectivement, à l'indicateur prix ou quantité, ça peut être une exclusion. Alors, ça relève aussi d'une notion qui est souvent difficile. Qu'est-ce qui relève du bien essentiel et qu'est-ce qui revient un peu du superflu? On n'a pas eu ça, les assises de la mobilité, c'est dommage, mais... Jusqu'à où on est prêt à payer collectivement pour l'ensemble, pour le national? Où la limite de curseur entre le transport, besoin essentiel, pour tous les jours, pour aller au travail, pour les études, pour autres, ou pour un week-end à la mer ou à la montagne? Voilà. Où place-t-on le curseur du collectif, de l'essentiel, et peut-être plus accessoire? Ce qui va effectivement avec les principes de tarification et de rationnement. Donc cette notion-là est assez importante. Donc, il y a ce sujet, effectivement, une sobriété qui nécessite une solidarité et qui a comme objectif, bien évidemment, de contrer l'effet rebond et éviter que les efforts économiques comme technologiques soient annihilés par un usage excessif. Mais ces investissements sont positifs.
Alors, on peut discuter ce rendement décroissant, pas décroissant, ce investissement lui-même, mais j'ai vu quand même quelques études de l'OFCE, comme de France Stratégie, dernièrement Bisogni Ferri, qui montrent des effets macroéconomiques assez conséquents, avec des effets de levier. Alors, effectivement, en macroéconomie, les efforts sont parfois un peu déceptifs, on va dire, en termes de résultats, mais à l'échelle macroéconomique, ils sont là. Il y a les effets économiques, socio-économiques et indirects, en fait, qui se font sur est-ce qu'on a une population qui bénéficie d'un ensemble d'usages. Il faut souvent mettre le parallèle entre transport et l'énergie. Il y a beaucoup de choses qui sont finalement assez semblables. Et c'est quand il y a pénurie qu'on s'aperçoit finalement de tous les avantages qu'ils pouvaient apporter auparavant. Donc pensez un petit peu aussi, on est dans un monde donc, où il faut maintenant penser une finitude de ressources. Ou plutôt qu'une finitude, une non-disponibilité immédiate, à coût faible, mais aussi un caractère substituable. Jusqu'à présent, on ne s'est pas tellement intéressé à la manière dont a été extrait le pétrole dans un pays ailleurs, loin de nos yeux, pour voir quelles étaient les conditions sociales et environnementales d'extraction. Maintenant, on parle d'avoir des éoliennes sur nos territoires. On parle d'avoir des sujets d'extraction sur nos territoires. Donc tout de suite, on est beaucoup, beaucoup plus exigeant. Mais tant mieux, mais exportons nos exigences également. Donc il faut voir effectivement un petit peu donc ce caractère substituable que l'on avait sur l'énergie. On ne se préoccupait pas trop d'où était la source. Et le voir effectivement le transport comme une notion essentielle. Donc on voit avec l'énergie, mais on le voit aussi un peu, là c'est mon côté syndical, avec certains métiers. Nous avions tendance, nous pouvions considérer des compétences, des métiers parfaitement substituables, si ce n'est pas directement sur le territoire, un peu plus loin, à moindre coût, comme les marchandises finalement, mais c'est plus loin, mais ce n'est pas grave. Alors là, on se rend compte que ce n'est pas tout à fait le cas. La disponibilité n'est pas là, pas forcément au rendez-vous, et ce qu'on pensait finalement totalement substituable, finalement ne l'est plus, ne l'est pas assez, et que d'une manière paradoxale, c'est peut-être nos métiers dits intellectuels qui vont être plus facilement substituables par une IA qu'un conducteur de bus. Ce qui est toujours un peu désolant, mais enfin pas désolant, on ne sait pas, on verra. Mais finalement, l'avenir est plein de surprises. Donc on a effectivement le sujet des transports, on a le sujet de l'énergie, arrive le sujet de l'eau, la biodiversité, demain l'occupation foncière et la biomasse. Donc cette notion de ressources limitées s'étend à différents niveaux. C'est un changement de paradigme, bien plus profond qu'une contrainte de limite, car ces données changent les hypothèses de base, voire des fondamentaux de nos modèles de choix de distribution et d'affectation en amont, et bien sûr notre modèle de société. Ce nouveau contrat social doit s'accompagner d'un récit qui propose une nouvelle forme de progrès et de faire société commune. Et des éléments émergent, et on le voit un peu avec cet élan autour du train de nuit et du slow travel, qui jusqu'à présent n'était pas forcément une évidence, et on voit un changement assez massif aujourd'hui. Merci. Alors justement, tout à l'heure, Yves a mis les pieds dans le plat sur les LGV. Est-ce que c'est bien raisonnable de dépenser des milliards pour aller plus vite alors qu'on se pose cette question de la valeur temps? Quelle est votre estimation de cette valeur temps au centre maintenant des enjeux et des décisions politiques? Est-ce qu'il faut condamner la réduction du temps passé sur la longue distance, privilégier le service sur la courte distance, sur les transports du quotidien? Comment apprécier cette modification d'appréciation de la valeur temps? Oui, alors cette notion de valeur temps, c'est une de mes vieilles marottes d'économistes, juste l'époque, ce qu'on appelait le groupe Gressier, où nous étions entre spécialistes prêts à débattre de la meilleure formulation mathématique et du troisième chiffre après la virgule, pour me rendre compte 10 ans après que le sujet n'était pas là. Donc nous sommes sur une logique où le temps est non pas infini, mais une forme relativement substituable, arbitrable, en fonction de son niveau de richesse, et indéfinie en sa qualité. C'est ainsi que nous sommes arrivés à des valeurs du temps qui privilégient la moindre minute gagnée à une robustesse de service, et octroient une valeur 2 fois supérieure à un motif dit professionnel, 18,6 € en euros 2015 par heure, pour la France entière, urbain et urbain inférieur à 20 km, plutôt qu'un motif domicile-travail. Vu à première vue, c'est de la cuisine technique pour spécialistes de l'évaluation socio-économique. Mais en fait, c'est un vrai choix de société. Et nous ne l'avons pas vu. Donc c'est un vrai, vrai choix de société, et je pense qu'il faut véritablement se pencher sur cette question de valeur du temps, sur ce qu'elle dit de nos objectifs et de ce que nous voulons pour le transport. Donc à noter que ce sont les mêmes valeurs pour tous les modes, en urbain et petit périurbain. Par contre, il existe une différenciation au profit du ferroviaire, plus la distance augmente, avec des seuils de 80 puis de 400. D'ailleurs, on pourrait interroger ce seuil de 80, peut-être il faudrait en voir un premier de 50. Mais toujours avec un motif professionnel qui est surpondéré. Alors, à une époque, l'objectif, effectivement, était de relier les grands pôles, les grands axes territoires, que ce soit pour autoroute, TGV, ça avait son sens, ça correspondait à un objectif. Mais c'est peut-être justement un changement d'objectif, demande peut-être des changements d'outils, parce que ça pose plusieurs questions.
D'abord, une difficulté majeure à valoriser des investissements de robustesse et de fiabilité sur des plus petites distances, et encore plus qu'on ne peut pas considérer un plus grand volume de voyageurs, comme la modernisation de l'existant qui n'existe pas véritablement budgétairement. Donc, ça incite à privilégier des investissements qui font gagner du temps à ce public dit à forte capacité contributive, qui permet un double impact positif en évaluation éco-fi et en socio-éco, typiquement CDG Express versus RERB. Il y en a un qui donne des résultats formidables et l'autre un petit peu plus difficile, alors que l'utilité peut être inversement proportionnelle, contribue à une lecture sociale fausse, voire inversée, des besoins de la société, puisque ce sont justement les personnes les plus contraintes économiquement qui sont soumises à des horaires stricts, la pointeuse, les trains 8, des postes, et qui ont donc le plus besoin d'un service rapide, fiable, avec qui l'impact d'une irrégularité est la plus forte. Ceux qui me connaissent savent que j'ai une petite tendance à arriver en retard. Pour l'instant, ça n'a pas coûté mon emploi, mais malheureusement, ce n'est pas le cas pour les personnes qui travaillent dans certaines zones et dans certains emplois. Malgré des compléments, il y a beaucoup d'études qui ont été faites depuis, fort heureusement, sur les temps d'attente moyens, la régularité, etc. Les outils actuels ne permettent pas encore de différencier selon le confort et les conditions de transport, et donc différencier un temps subi, et d'autant plus subi qu'il est dans de mauvaises conditions, d'un temps véritablement choisi, et pouvant être mis à profit à autre chose, à quelque chose de son choix. Ces valeurs du temps gagné, c'est subordonnant par rapport à toute autre variable d'externalité, dont les impacts écologiques. Donc on a un modèle fondé sur la logique de concurrence modale, il s'agissait quand même de faire concurrence à l'avion, c'était ça le premier niveau pour les TGV du moins, mais qui fait du temps une valeur déterminante, et que ne pourra pas égaler le coût carbone d'ici l'horizon 2030, même 2050 d'ailleurs. Donc elle est tellement surpondérante qu'elle est au-delà de tout. Quant aux autres externalités, comme l'occupation foncière, l'impact qualité de l'air, biodiversité, là aussi les méthodologies actuelles ne sont pas en concordance et en cohérence avec les objectifs de la SNBC, le schéma national bas carbone. Donc là, on se rend compte qu'on est un petit peu sur les limites, sur la valeur du temps, que c'est un objet finalement inconnu, enfin pas inconnu, mais assez discret, mais qui pèse énormément et que peut-être à revoir par rapport à nos objectifs. Donc vraiment en coordination, nos objectifs et nos outils. Merci. Alors, cette note pose un certain nombre de recommandations pour modifier les choix publics, orienter les choix privés. Quelques commentaires sur ces orientations. Il nous reste juste quelques minutes parce qu'on est un peu en retard. Ah. Quelques commentaires rapides, Fanny. Rapide. Rapide, pas dans le débit, rapide dans le temps. Oui, donc comme je disais, effectivement, nos outils ne sont plus tout à fait adaptés. Donc il faut remettre un peu en coordination. Et nous avons quand même des enjeux assez importants. On a de pair à mener une transition de notre économie, sa résilience au dérèglement climatique et des mutations dans une organisation beaucoup plus profonde. Donc ça nécessite effectivement des investissements conséquents qu'il s'agit de coordonner et de manière transversale avec l'énergie, avec d'autres secteurs. Donc pour pouvoir faire cette coordination, la planification est absolument indispensable. Je pense qu'on est nombreux à être là-dessus, une planification réfléchie avec des jalons, mais une planification qui soit véritablement de notre temps. Donc c'est une planification en coordination avec les différentes échelles, avec les parties prenantes. On voit par exemple l'agence des réseaux en Allemagne qui s'occupe de différents réseaux, transport, énergie et autres, et qui sait faire ce travail-là dans un pays fédéral avec la Länder et avec l'ensemble des opérateurs, que ce soit sur les transports, l'énergie, la poste, enfin, tout est décliné. Donc il y a peut-être des choses à s'inspirer de ça pour faire une planification. Et cette planification, pour qu'elle soit véritablement viable, je pense qu'il faudrait qu'elle s'inscrive également dans la SFEC, la stratégie française énergie-climat, qu'elle soit déclinée par secteur, et bien sûr, on en a parlé ce matin, avec une trajectoire financière qui soit déclinée par secteur. Parce que sans trajectoire financière et donc sans financement dans une part affectée, nous sommes tous d'accord sur cette notion d'affectation, parce que celle permet d'avoir une visibilité en mêlant à la fois des recettes qui soient ponctuelles pour des investissements énormes et importants et des investissements qui soient continus, qui soient dynamiques pour pouvoir justement travailler sur les fameuses dépenses de fonctionnement et d'assurer un continuum. Donc, mais cette notion d'intégrer, effectivement, est particulièrement importante. Donc ça remet aussi complètement en cause certains de nos outils. C'est-à-dire que là, on voit bien qu'il faut travailler sur cette notion de valeur du temps, c'est qualifier cette valeur du temps. On est tous d'accord qu'une heure dans le TGV assis, ce n'est pas la même chose qu'une heure dans le RERB bondé. Là, c'est assez assimilant. Mais comment on le traduit ? Et du coup, comment on peut mieux valoriser, effectivement, les investissements dans les transports pour améliorer ce confort ? Revoir l'urbanisme, l'aménagement du territoire, bien sûr, l'aménagement du territoire. Et ça, c'est quelque chose de long terme. Même si on ne rapproche pas, si on continue à construire au-delà de la défense, on va continuer à faire courir des transports pour rattraper ces constructions de bureaux qui, entre parenthèses, le télétravail, se vident.
Donc, comment un petit peu réaménager, mettre en concordance finalement l'ensemble de nos outils et aller un petit peu au-delà. Ça remet en cause certains de nos postulats, la contrainte de Zahawi, qui donc le budget temps de transport quotidien est constant avec l'augmentation de la vitesse. On voit que depuis les années 90, que c'est déjà plus tout à fait vrai, il faut savoir qu'en France, on est un des pays de l'OCDE où le temps domicile travail est le plus long. Donc, quand même, quelque chose à réfléchir là-dessus. Il est de plus en plus insupportable, ce temps-là. Donc, voilà. Maintenant, la notion de temps se voit sur une semaine, se voit sur des temps longs, avec des travail. Leur faire attention à une fracturation supérieure de la société entre ceux qui peuvent choisir, fractionner un temps, et ceux qui vont encore plus le subir, qui n'ont pas cette possibilité. Donc, il y a ces notions-là. Alors, j'ai un petit point positif. C'est que parfois, les bonnes réponses vont venir par là où on ne les a pas forcément attendues. Et je pense, sur ce sujet-là, je pense à la finance, notamment la directive CRD, alors peut-être que je n'ai pas mis les lettres dans le bon sens, ça m'arrive, qui impose dès 2024 une méthodologie bien plus stricte sur le reporting extra-financier et qui est à une échelle d'entreprise très très conséquente et qui vont amener probablement une nouvelle réflexion et vont peut-être entraîner par de la même de nouvelles obligations et de nouvelles impulsions. Donc la mise en place de l'ajustement carbone aux frontières et également tout ce qu'on appelle la comptabilité verte, parce que je suis persuadée que tant qu'on n'aura pas une concrétisation sur les valeurs d'actifs dans le bilan, on aura du mal à faire voir l'investissement et toute la chaîne qui va avec. Donc cette chose-là arrive. On a aussi le coût de l'inaction qui nous est un peu défini par défaut par tout le système assurantiel, qui nous dit de plus en plus fort le dérèglement climatique a des impacts. On a des actuaires qui ont modélisé le GIEC en termes de sinistralité, et donc on a tous des travaux. Là aussi, c'est quelque chose d'assez positif, c'est qu'on a toute une nouvelle génération, finalement, d'économistes, de financiers, qui travaillent différemment. Les travaux de l'Institut des actuaires avec BTO France sont exceptionnels. Donc on a toute une nouvelle génération, dans Financial Watch, I4C, etc., de personnes dans différents organismes qui travaillent. Donc là, en ouvrant, je pense, davantage et en faisant cette transversalité au niveau des méthodes, il y a des choses qui vont arriver. Et donc, on a quand même un petit poids d'espoir, mais effectivement, il est plus que temps. Merci d'avoir fait aussi vite. Fanny Arave, merci beaucoup. Beaucoup de pistes de réflexion et sans doute tout à l'heure des questions relatives à cette évaluation du temps différente. Je vous demande tout de suite d'accueillir Chantal Jouanneau, Patrick Vieux et Thierry Pêche. Il n'y a pas de plan de table. Asseyez-vous, vous voulez tous les trois. Voilà. Madame Jouanneau, je vous en prie. Alors, ce débat sur à propos de cette note, et je voudrais commencer avec vous, Madame la Présidente, Chantal Jouanneau, parce que la CNDP intervient très, très en amont des projets, mais vous avez un poste d'observation absolument privilégié. Parce qu'on parle ici beaucoup d'usagers, d'utilisateurs, de parties prenantes, mais vous les avez en face de vous, très vite, dans la temporalité des débats et des projets. Et on a envie de vous entendre sur un peu comment vous voyez les réactions de nos concitoyens à ces projets. Est-ce que ça a varié au cours du temps, les questions qu'ils vous posent, est-ce qu'elles sont différentes, est-ce que ça dit quelque chose de notre époque, est-ce que ça dit quelque chose de l'acceptabilité? Plein de questions à vous poser, mais je voudrais commencer un peu votre œil sur la liaison entre ces projets de transport et puis la façon dont nos concitoyens envisagent la mobilité. Ça fait beaucoup de questions. Bonjour à toutes et tous. Je vais peut-être rapidement commencer par rappeler l'histoire de la CNDP, la Commission nationale du débat public. Elle a été créée il y a 25 ans, à la suite justement d'un conflit sur un projet de transport qui était le projet de TGV Méditerranée, que les personnes ont localement en fait découvert dans la presse, ce qui les a beaucoup fâchés. Et ils se sont auto-organisés pour aller obtenir des informations auprès des autorités. Et ils ont organisé le premier débat public, c'est-à-dire qu'ils sont partis du principe que tout le monde avait le même droit à la parole, donc tout le monde avait exactement le même temps de parole. Et ils ont organisé des débats avec les autorités, avec le préfet en particulier. Et c'est ce qui a inspiré ensuite les gouvernants qui se sont dit, mais finalement, le problème de l'enquête publique, c'est qu'elle arrive trop tard dans la procédure, puisque l'essentiel des études ont été faites, des grands choix ont été faits, donc ça devient difficile au moment de l'enquête publique de modifier le projet, ou alors ça suppose des coûts importants. Donc il faudrait une première étape très en amont dans la construction du projet,
où on va débattre de son principe, c'est-à-dire de son opportunité même. Est-ce qu'il faut faire ou pas ce projet? De ses alternatives. Est-ce qu'on fait un TGV ou un omnibus, pour caricaturer un petit peu? Et puis, de ses différents scénarios. Est-ce qu'on passe par telle ou telle ville? D'où la naissance, effectivement, de la CNDP, il y a 25 ans, autour de cette idée. Et effectivement, les transports nous ont quand même beaucoup occupés, puisqu'on a, en 25 ans, on a reçu à peu près 665 saisines. Il y en a 197 sur les questions de transport. Donc les ports, les aéroports, mais le gros du sujet, ça reste quand même les routes, autoroutes et les voies ferroviaires. Donc on a un bon poste d'observation sur ce que pense la société, puisque notre public, à nous, c'est le grand public. On essaye d'organiser la rencontre entre les parties prenantes et le grand public, mais notre public, à nous, c'est vraiment les personnes qu'on ne voit pas, qui ne vont pas nécessairement s'exprimer dans les grandes réunions et qu'on doit aller chercher pour qu'elles puissent s'exprimer. Alors justement, vous êtes président depuis 5 ans. Est-ce que vous avez vu des évolutions depuis ces 5 ans? Est-ce que vous voyez des choses? Vous êtes allé chercher ces fameux concitoyens, notamment en travaillant avec des sociétés comme, enfin des entités comme ATD Quart Monde. Qu'est-ce que vous voyez comme évolution de ce public? Alors, en termes d'arguments, pour préparer cette intervention, je n'ai pas relu les 197 bilans de concertation et débats publics. J'avoue honteusement que j'ai sélectionné quelques vieux débats publics qu'on a eus dans les années 2000, et, par exemple sur TGV Rhin-Rhône, et puis des débats beaucoup plus récents. On avait le ferroviaire lyonnais, on a eu la liaison Fos-Salon, on a eu Roissy-Picardie, par exemple, sur quelques débats récents. Et alors, c'est assez étonnant, en fait. Dans tous les autres débats publics, sur tous les autres sujets, en particulier sur l'énergie, il y a une évolution assez radicale des arguments. C'est-à-dire que vraiment, les questions, la priorité donnée aux enjeux climatiques, à la sobriété, ça marque très fortement tous les débats sur l'énergie. Et alors, étonnamment, sur les transports, et ça m'a beaucoup déçue, en fait, les arguments ont peu changé. Ils ont très, très peu évolué. On a historiquement deux grands clivages qui sont l'intérêt économique, je mets dedans les questions de fluidité, les questions de sécurité, versus les enjeux climatiques et de pollution. Et puis on a le deuxième grand clivage qui est l'intérêt général versus les conséquences particulières négatives. Et ces deux grands clivages sont restés très présents dans tous les débats. Alors je me suis dit ensuite... Bah oui, certes, mais peut-être que les arguments selon lesquels les comportements de transport allaient évoluer sont des arguments beaucoup plus récents, qu'on trouve dans tous les débats récents. Et en fait, dès le débat TGV Rhin-Rhône, on avait aussi cette idée qui s'était exprimée, selon laquelle il fallait peut-être voir plus loin et que potentiellement les comportements allaient évoluer, donc que l'intérêt même du projet, son opportunité, devait être questionné. Et dans tous ces débats, toujours, à chaque fois qu'on a une concertation ou un débat sur des questions de transport, la première chose qu'on nous dit, c'est « Ah non, mais vos hypothèses de trafic sont fausses. » Systématiquement, c'est le sujet sur lequel on a le plus de demandes d'expertise complémentaire. C'est vraiment un sujet sur lequel le public nous dit « Ce que vous nous dites est faux, c'est pas vrai, c'est pas ce qu'on observe, c'est pas ce qui va se passer. » Donc il y a un sujet majeur en fait de crédibilité quand on va devant le public autour d'enjeux de transport, quels qu'ils soient, autour de cette question de quelles sont les hypothèses de trafic et comment on les explique. Deuxième, moi j'avais tout listé sur les différents débats, mais ça sert à rien. L'essentiel c'est de vous donner quand même les arguments. Deuxième sujet effectivement, comme je vous le disais, c'est la question ensuite de intérêt particulier versus intérêt général. Ouais, c'est ce que j'entends souvent, on me dit vous savez, les Français, ils sont tellement individualistes, tellement égoïstes, ils sont contre tout. Bon. Si on pense ça, honnêtement, il vaut mieux éviter de faire la politique, parce qu'il faut d'abord partir du principe que les personnes sont positives, qu'elles ont des choses à nous dire, et les personnes qu'on va chercher dans les débats publics, on essaye, nous, justement, de ne pas voir un débat où on confronte les très pour et les très contre. Sur les très pour et les très contre, vous qui êtes décideurs, vous les voyez. Vous n'avez pas besoin de la CNDP pour les voir. Ils viennent forcément s'exprimer devant vous. Nous, notre obligation, c'est d'aller chercher cet entre-deux, ce qu'on va appeler une délibération plus froide, de personnes qui ont peut-être des avis moins tranchés sur le sujet, qui généralement sont assez positifs.
Mais effectivement, ce qu'on retrouve très très bien, c'est ce que vous disiez d'ailleurs tous, hein, les uns et les autres, c'est certes, vous nous parlez d'intérêt général, mais moi, dans ma situation particulière, je vais en subir les nuisances sur mon patrimoine, parce que ça va dévaloriser mon bien, ma maison, sur mon quotidien, parce qu'il va y avoir des nuisances sonores ou des nuisances liées aux différentes pollutions. Et ce sentiment-là, qui était présent dès les premiers débats publics, dès les premières concertations, il faut bien mesurer qu'aujourd'hui, il est exacerbé. Parce que quand on dit TGV, les personnes nous disent « Moi, mon transport du quotidien, aujourd'hui, non seulement il est défaillant, mais surtout, il s'est dégradé. » Il y a un sentiment énorme. Alors, sentiment ou pas, hein, quand on pratique les transports publics au quotidien en région parisienne, ce n'est pas qu'un sentiment. Ils se sont nettement dégradés. Donc, ce sentiment que vous aviez au début, qui était très présent, maintenant, il relève de l'injustice sociale. C'est-à-dire que si vous mettez de l'argent pour un TGV, si vous mettez de l'argent, alors on l'a eu énormément sur le débat Grand Paris Express, si vous mettez de l'argent sur ce type de liaison, c'est que vous favorisez ceux qui ont déjà aujourd'hui tous les bénéfices et que nous, par contre, dans notre quotidien, on va être encore plus défavorisés que les autres face à une situation qui s'est encore plus dégradée. Donc cette question-là, elle est aujourd'hui centrale parce que la question de l'injustice sociale, on l'avait vu sur le débat énergie. On l'a vu en 2018, lors de la conclusion du débat énergie, au CESE d'ailleurs. Et on avait tiré la sonnette d'alarme. Elle est en train de s'exacerber. Elle s'exacerbe vraiment et radicalement sur la question des transports. Sur les ZFE, tu en parlais tout à l'heure, sur les ZFE, on a été sollicité plusieurs fois la part des collectivités pour les accompagner sur le sujet. Alors, je vous dis juste trois citations. Hein. Très injuste, explosif, nous sommes les sacrifiés. Voilà ce qui est dit quand on parle de ZFE, ce qui est dit localement. Dernier petit point sur les questions des différents arguments. Donc les arguments, c'est bien effectivement la notion de mobilité subie. Il y a deux sujets qui sont absents dans ces différents arguments, mais vraiment absents des débats publics. La question de la biodiversité. On a bien dans les différents débats les questions des terres agricoles. Ça a toujours été très très présent. On l'a revu là encore récemment sur Poitiers-Limoges, sur la RN13. Donc on a bien les terres agricoles, mais question de biodiversité, c'est rarissime qu'on ait des préoccupations sur les questions de biodiversité, alors que c'était historiquement dans la législation, avec la séquence ERC, un des sujets majeurs de la législation. Et on parle assez peu d'adaptation, étonnamment. Ça va venir, je pense. Ça va venir, c'est un peu inévitable. Mais on parle assez peu d'adaptation dans les débats publics sur les questions de et les concertations sur les questions de transport. Merci. À vous entendre, donc, depuis 20 ans, 25 ans, les mêmes préoccupations, alors qu'il peut exacerber. Je vais vous poser la question très simplement. Est-ce que les pouvoirs exécutifs ont oublié de lire vos rapports ? Non. Les pauvres, ils ont tellement de points à arbitrer. Je vais juste vous citer vous l'avez tous dit d'ailleurs, hein, on a un problème de gouvernance. On a fait 5 ou 6 débats publics sur les problèmes de transport autour de Lyon. Je ne sais plus qui a cité Lyon tout à l'heure. On a fait 5 ou 6 débats publics. Et la dernière, lors du dernier, c'était sur le nœud ferroviaire lyonnais. J'ai sorti de mon rôle, parce qu'on a une obligation de neutralité, mais je suis sortie de mon rôle et je leur ai dit, écoutez, c'est la dernière fois qu'on fait un débat public à Lyon, parce que le temps est à la décision. C'est à vous maintenant de prendre des arbitrages, de décider, de faire des choix. Donc, premier sujet, effectivement, celui-ci. On est sur des problèmes d'arbitrage centraux. On vient souvent nous voir et on nous demande de faire des débats publics sur des projets qui ne sont pas financés. Et on sait qu'ils ne sont pas financés. Donc les personnes nous disent, mais vous nous prenez pour des crétins. C'est un débat purement politique, purement d'affichage, mais le public, il n'est pas dupe de ça. Ça se voit tout de suite dans un débat public. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est qu'on a une question de gouvernance. C'est-à-dire que celui qui est obligé de nous saisir, qui est le porteur de projet, n'a pas toutes les clés de la décision et n'est pas le décideur ultime dans bien des cas. Donc ça, c'est le deuxième problème. Donc le public nous parle de cohérence des choix qui sont faits. Quand Aéroport de Paris, c'est sur un autre sujet, est venu nous voir sur le terminal 4, donc pour augmenter ses capacités d'accueil, ce qui était cohérent par rapport à sa propre politique, le public a dit, mais qu'en pense le gouvernement, puisqu'on sort
de la COP climat de Paris. Qu'en pense le gouvernement ? Est-ce que c'est cohérent avec la COP climat ? Le gouvernement n'était pas autour de la table. Donc, un problème de gouvernance de ces différents, sur ces différents projets. Et puis, le sujet central de l'aménagement du territoire, même si ça prend des siècles pour bien des personnes, on ne parle pas de mobilité choisie, on parle de mobilité subie. Vous avez évoqué tout à l'heure les questions de crédibilité lors de ces débats. Logiquement, on en vient à la question de l'acceptabilité. Est-ce que ces problèmes de crédibilité handicapent la recherche d'une acceptabilité, d'un consensus ? Est-ce qu'il faut encore y prétendre ? Ou est-ce qu'il faut juste essayer de faire au mieux comme on peut et plutôt de travailler à des hypothèses de conciliation ? Alors, au stade du débat public, on n'en est pas du tout au stade de la mesure ou même du travail sur l'acceptabilité, puisque comme on est très en amont sur des enjeux d'opportunité, normalement, on a identifié, nous, plutôt les conditions de faisabilité du problème. Donc, on n'est pas dans le problem solving, on est vraiment dans le problem setting. Tu vois, comme tu as parlé anglais, je t'ai repris. on est vraiment très, très en amont. On voit les points durs du projet. Ensuite, le maître d'ouvrage doit travailler son projet, déjà décider s'il le poursuit, le travailler pour essayer de résoudre ces différents points. Donc, deux sujets. Un, à terme, l'idée qu'il y a un consensus absolu autour des différents projets, c'est franchement, celui qui vous dit ça, c'est mentir. On est dans une démocratie, il y a des minorités, des majorités, on sait très bien que tous les projets auront des opposants, c'est inévitable. Donc, il y a des arbitrages à faire. Et je ne vous dirai jamais qu'un débat public empêchera les recours. Ce n'est pas possible. Ça n'existe pas. Et historiquement, on a vu que ça n'est pas possible. Par contre, il manque quand même quelque chose dans la construction des projets aujourd'hui, surtout les projets qui sont très conflictuels. C'est que nous, on voit bien les conditions de faisabilité. On accompagne ensuite le projet dans sa construction simplement par un devoir d'information et encore de concertation sur certains points. Mais il n'y a pas aujourd'hui de procédure où on garantit à tout le monde que tout le monde puisse se mettre autour de la table et on garantit les conditions du dialogue. C'est dans les mains du maître d'ouvrage. Mais quand votre projet est très conflictuel, c'est difficile pour le maître d'ouvrage d'être un peu cette tierce partie qui va réussir à mettre tout le monde autour de la table. Et peut-être qu'une des évolutions possibles à venir de la Commission nationale, j'y serai plus, donc c'est facile de le dire, parce que mon mandat se termine en mars, mais ça serait peut-être justement d'être un des acteurs de cette conciliation qui garantit à tout le monde qu'on puisse... qui garantit les conditions du dialogue. Elle est neutre, elle n'a pas à trouver des solutions, mais elle garantit les conditions du dialogue. Une sorte de tiers de confiance. Juste pour la partie, effectivement. On le fait, par exemple, sur le risque industriel, autour de sites industriels où il y a énormément de contestations. Ça nous est arrivé de le faire, quand vraiment plus personne veut se mettre autour de la table, donc de recréer les conditions du dialogue. Et ça pourrait se faire, effectivement, sur ce type de projet. Merci. On reviendra peut-être avec vous tout à l'heure sur d'autres aspects du débat. Je voudrais demander maintenant à Patrick Vieux. Chantal Joanneau a bien raconté la perception de nos concitoyens d'un certain nombre de projets. Bon, on va au-delà maintenant sur les questions de mobilité, de desserte, etc. Ce n'est pas que du projet, c'est du service aussi. Et on voit bien que ces questions de bien commun, d'intérêt général, glissement de l'un à l'autre, sont absolument essentielles. Est-ce que vous avez un commentaire à faire sur ce débat qui est assez central aujourd'hui et dans la note d'Yves Crozet ? Oui, merci Gilles, merci à TDIE et à Yves Crozet pour cette note. Je vais répondre à la question de Gilles Dansart, mais je me dois quand même de porter un peu ma casquette de régulateur. Je voudrais d'abord saluer l'ambition de cette note, sa clarté, parce qu'elle s'efforce en effet d'élucider des questions et des notions complexes, la sobriété, la décroissance ou la croissance. Saluer aussi l'effort de pédagogie, parce que la note, en effet, on voit ici l'enseignant qui s'exprime à travers la présentation écrite et orale. Mais saluer aussi le courage, ou peut-être l'audace, au fond de l'économiste, parce que vous n'avez pas hésité à travers les notions que je viens d'évoquer, notamment celle de bien commun, à mobiliser des concepts qui sont hors du champ de l'économie. Après tout, la notion de bien commun, elle remonte au droit romain, et la notion de contrat social, que vous évoquez beaucoup, vous la trouvez chez Épicure, vous la trouvez chez Cicéron, et puis, pour ne rien dire, de l'époque moderne, chez Hobbes, Locke, Rousseau.
Alors, c'est peut-être un premier, pour moi, sentiment de frustration, c'est que j'aurais aimé retrouver ces notions de contrat social qu'on retrouve, qui a quand même donné lieu à toute la rénovation de la philosophie politique dans les années 70 avec John Rawls, qui parle de contrat social, mais qui parle aussi de justice, mais je vais en dire un mot. Alors, j'ai dit que j'intervenais un peu en tant que régulateur, je ne vais pas être très long. C'est vrai que vous l'avez amplement développé dans les rapports, dans la note, et puis le sujet est connu. Les transports, c'est un peu le mauvais élève de la classe en matière de lutte contre les émissions de gaz à effet de serre. La note abonde d'informations en ce sens, et de ce point de vue-là, il y a effectivement des enjeux multiples, des enjeux politiques, des enjeux évidemment écologiques, et au fond, il y a aussi des enjeux de régulation. Alors, l'autorité de régulation des transports n'a pas de compétences particulières, en tout cas elle n'a pas de mission liée à la régulation environnementale. Il se trouve que les textes, à divers endroits, des textes de loi ou des décrets, fixent, ou en tout cas énoncent des critères ou des objectifs liés aux émissions de gaz à effet de serre, à l'environnement, liés à la modulation, autorisent en tout cas la modulation de certaines redevances en fonction des objectifs de renouvellement durable et d'environnement. Et nous nous appuyons autant que possible sur ces textes pour précisément insister, sinon encourager ou inciter, à ce que précisément les signaux prix que vous évoquiez tout à l'heure soient clairement adressés, ou même, le cas échéant, que les régulations en termes de volume d'accès ne viennent pas freiner, au contraire, des objectifs en termes de régulation. Je pense en particulier à tout ce qui concerne l'accessibilité au réseau ferroviaire, qui comprend une dimension clairement économique, clairement tarifaire. Je rappelle que les tarifs du réseau ferroviaire sont les plus élevés d'Europe et qu'évidemment, ça freine l'accès au réseau ferroviaire. Ça a des effets secondaires, si je puis dire, au second, liés à l'hyper remplissage des trains et donc à la raréfaction aussi du nombre de trains, ce qui renvoie aussi donc à la question de l'optimisation de l'usage de l'infrastructure. Et puis l'accessibilité au ferroviaire, c'est plein d'autres choses. Ça a été évoqué sur les gares, les centres de triage, les centres de maintenance, etc. On a également une action de régulation, évidemment, en matière autoroutière, à travers les avis que nous donnons, notamment sur les péages autoroutiers dans le cadre d'avenants, lorsque de nouveaux investissements sont souhaités ou demandés par les sociétés d'autoroute et l'État, où nous regardons attentivement à la fois la nécessité, l'utilité de ces investissements et la manière dont ils sont compensés. Y compris très récemment avec une décision qui a beaucoup fait parler. Y compris très récemment avec une décision qui a beaucoup fait parler. Je suppose que vous pensez au contournement autoroutier de Montpellier, où effectivement nous n'avions pas été suivis, mais le Conseil d'État a rétabli ce qui me semble être l'état du droit. En tout cas, l'a rappelé. Donc on a à travers, je pourrais citer les actions sur l'intermodalité, sur les données de mobilité sur lesquelles aussi nous intervenons, nous regardons au fond l'exactitude des informations, leur pertinence, etc. Donc si vous voulez, sur le travail que nous menons aussi sur le transport routier de voyageurs, travail de suivi, et puis je ne peux pas ne pas évoquer quand même le rapport qui vient de sortir sur les concessions autoroutières, l'économie générale des concessions, donc plus largement la question du péage, avec une question qui nous préoccupe et qui a fait l'objet des volets de ce rapport, qui est précisément comment est-ce qu'on fait en sorte pour faire coïncider deux temporalités différentes, en tout cas essayer de les réconcilier, qui sont d'une part l'échéance des contrats historiques des concessions, les 7 contrats qui représentent 90% du réseau, qui arrivent tous à échéance dans les années 2031-2036, donc dans une dizaine d'années en gros. Comment faire coïncider donc cette échéance-là avec celle de la décarbonation, de l'objectif zéro carbone à l'horizon 2050? On ne peut pas attendre la fin des concessions historiques pour commencer à investir sur ce sujet. Est-ce que ça signifie pour autant qu'il faudrait allonger de 20 ans les contrats actuels qui finissent dans 10 ans, juste pour permettre que les concessionnaires d'aujourd'hui fassent la totalité de la transition? Nous ne le pensons pas. Il faut donc arriver à trouver une façon de décorréler, déconnecter les deux temporalités. Voilà. Tout ça pour dire en résumé que sur la partie régulateur, nous avons un rôle et nous sommes de plus en plus attentifs, je crois que je peux le dire comme ça, aux enjeux environnementaux qui échouent à la régulation, même si, encore une fois, il n'y a pas de dimension explicitement environnementale dans nos travaux.
Alors après, j'avais effectivement prévu d'enlever ma casquette de régulateur. D'ailleurs, c'est à ce titre-là que j'avais accepté votre aimable invitation pour vous parler plus spécifiquement en fait, de la note de TDIE et plus spécifiquement, précisément, de ces notions de bien commun et de contrat social. D'abord parce que la notion de bien... Alors, c'est compliqué de comprendre où vous voulez en venir quand vous parlez de bien commun et de contrat social et lequel fonde l'autre. Est-ce que c'est le bien commun qui fonde le contrat social? Est-ce que c'est le contrat social qui fonde le bien commun? J'ai trouvé des expressions des deux côtés, si je puis dire, dans le rapport. Et on voit bien que cette notion de bien commun, on comprend bien pourquoi vous la mettez en avant, la mobilité comme bien commun, elle a des externalités négatives, il faut essayer d'y faire face, et en la transformant, si je puis dire, en la qualifiant de bien commun, au fond, vous restaurez une sorte d'arrière-plan démocratique à cette idée de mobilité. Ce que vous dites en filigrane, c'est que finalement, la mobilité de demain sera une mobilité plus sobre, et que pour faire accepter ça, avec une notion d'acceptabilité, il faut probablement travailler sur, au fond, une redéfinition de la notion de mobilité. Et c'est là où intervient donc cette notion de bien commun. Alors, moi, je ne suis pas un économiste, donc je ne veux pas m'aventurer trop loin sur ce terrain-là. En revanche, je suis plutôt juriste. Et moi, quand on parle de bien commun, je ne suis pas certain d'entendre exactement la même chose que vous. Vous parlez, en effet, en l'occurrence, s'agissant de la mobilité, vous dites, au fond, c'est un bien commun... qui est, alors j'essaye de ne pas me tromper, qui est rival mais non excluable, hein, c'est-à-dire au fond, vous avez une définition d'économiste de ce qu'est un bien commun. Le juriste a le droit d'avoir une autre définition de ce qu'est un bien commun, et le juriste a l'avantage sur l'économiste de l'antériorité, et de l'antériorité historique à défaut d'antériorité intellectuelle. Et il se trouve que, alors je vais y revenir, mais cette notion de mobilité, que vous essayez de peindre sous le trait de bien commun, vous dites qu'il faudrait faire entrer la mobilité dans une logique de bien commun. Et on sent bien à travers votre rapport que ce n'est pas évident. Vous vous demandez un peu comment il faut faire, vous tournez, j'allais dire, autour du pot, vous parlez de la gouvernance, vous essayez, vous voyez bien que les mesures que vous instaurez, vos trois axes, votre tarification trinôme, elle n'est quand même pas évidente à faire passer. Ça a été dit à plusieurs reprises par les intervenants précédents. Et donc, vous cherchez, vous citez à juste titre Elinor Ostrom. J'ai regretté, pour ce qui me concerne, que la fiche technique numéro 6 ne soit pas un peu plus étayée, parce que je crois qu'elle est vraiment fondamentale. La fiche numéro 6, c'est celle qui précisément décrit la gouvernance des biens communs. Et Ostrom a beaucoup travaillé, en effet, sur cette question, en se posant la question de savoir comment des parties prenantes à une ressource partagée pouvaient pas vraiment s'auto-organiser, parce que l'État n'est jamais très loin, la puissance publique, qui en tout cas fixe un cadre, mais au moins définir un certain nombre de droits divers et variés, des droits opérationnels, des droits de gestion, avec différents niveaux de droits. Et ce qui est très intéressant dans cette logique-là, alors, cette réflexion sur les droits, qui n'est pas une réflexion d'économiste au départ, elle a l'avantage qu'effectivement, elle pose en arrière-plan la remise en question du droit de propriété. Vous évoquez la tragédie des communs. Alors ça, c'est un débat qui a refait surface, parce qu'en effet, il est très ancien. Dans les années 60, avec un article célèbre de Garrett Hardin sur les communs, où il explique en deux mots que les communs, c'est le bazar. Je ne vais pas employer un mot d'actualité du ministère de l'Intérieur, mais en gros, c'est de dire, au fond, chacun s'approprie un maximum de pâturage pour faire grandir son troupeau, il arrive au moment où tout le monde ruine la ressource commune et c'est au détriment de tous. Et donc, la solution, c'est la propriété privée. Alors, vous ne tombez pas dans le travers qui consiste à dire il n'y a que la propriété privée. Vous évoquez la fiscalité, vous évoquez le marché carbone, donc d'autres façons de sortir du jeu. Mais, et vous évoquez aussi Elinor Ostrom. Mais ce qui est très intéressant dans Elinor Ostrom, c'est que elle pense justement le droit de propriété sur une base totalement différente de celle que nous connaissons, nous, avec la fameuse triptyque sur l'usus, le fructus et l'abusus, et c'est de dire, au fond, non, la propriété, c'est toute une série de droits qui peuvent se superposer, être très différents. Il y a le droit d'accès, le droit de céder son droit d'accès, le droit de définir les règles du droit d'accès, etc., etc. Et derrière cette complexité apparente, il y a une grande richesse de réflexion qui remonte, là aussi, aux États-Unis au XIXe siècle. Alors, tout ça pour dire que, moi, ce qui me paraît important là-dedans, c'est d'abord, peut-être, pour terminer, que cette notion de bien commun que vous définissez par des enjeux économiques, vous parlez de valeur, comment vous dites, de valeur
sans frontières. Valeurs sans frontières, je me suis dit, mais vous dites à tous les sens du terme. Alors, je me suis dit, qu'est-ce qu'ils veulent dire par à tous les sens du terme? Alors, je me suis dit, ça doit sûrement vouloir dire sans frontières géographiques, sans frontières sociales. Mais il se trouve qu'il y a une autre façon de définir la notion de valeur. Je vais y revenir dans un instant et je ne vais pas être trop long parce que je crois qu'on est un peu en retard. La mobilité, est-ce que c'est ça qui constitue le bien commun? Ou est-ce que le bien commun, ce ne serait pas simplement le réseau qui rend possible la mobilité? Et au fond, est-ce que la mobilité ne serait pas un droit qui est rendu possible par le bien commun? Alors pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que j'évoquais là encore la prééminence du droit, celle-là, elle n'est pas chronologique, mais il se trouve que, vous savez sûrement, les juristes italiens des années 2010-2015 ont beaucoup travaillé, et quand je dis les juristes, c'est des constitutionnalistes, des parlementaires, à la fois des professionnels du droit, des professionnels de la politique, et notamment ils se sont dit, mais est-ce qu'au fond, ce qui définit un bien commun, ça n'est pas ce qui est essentiellement lié à l'exercice de droits fondamentaux? Et au fond, le bien commun, il ne se définit pas par des critères marchands, non marchands, exculables ou rivaux. Est-ce que oui ou non, ces biens sont nécessaires à l'exercice d'un droit fondamental? Et si c'est le cas, à ce moment-là, qu'est-ce que ça signifie en termes de gestion de ce bien commun, de sa privatisation ou de sa non-privatisation, par exemple? Et donc, il me semble qu'en fait, à travers la réflexion, si on pouvait la mener plus loin, ça serait peut-être d'essayer de tirer en fait la notion de bien commun vers cette notion de, au fond, réseau slash mobilité slash droit, parce que il suffit pas simplement de dire la mobilité, au fond, c'est un bien commun. D'ailleurs, on voit que c'est pas aussi simple que ça, parce qu'on passe dessus, mais ça a été un peu dit. La mobilité peut être subie, la mobilité a des externalités négatives. Et donc, en réalité, moi, je pense que ce qui est commun, c'est le droit. Et c'est le réseau. Et de ce point de vue-là, ça ouvre des horizons très importants, parce qu'on parle du réseau routier, ça peut concerner demain le réseau ferroviaire, le fameux réseau autoroutier concédé qui arrive en fin de droit. Qu'est-ce qu'on en fait demain? Est-ce que c'est quelque chose qui intéresse la collectivité ou pas, etc. Et puis, je voudrais terminer par la notion de contrat social. C'est un peu le point aveugle de votre réunion. Pardon, je donne l'impression là, d'accumuler, mais j'aurais dû insister sur le caractère exceptionnel réellement de votre note et j'en ai été réellement admiratif. Mais c'est ça qui justifie aussi que je me suis acharné à trouver les points faibles. Et sur la notion de contrat social, j'ai envie de dire, ça a été dit par Fanny Arabe, la question de la justice. La question de la justice, vous ne pouvez pas éluder cette question. Alors d'abord, il faudrait dire de quel contrat social on parle. Qui est autour de la table dans ce contrat? Et qu'est-ce qu'on échange dans ce contrat? Est-ce que les générations futures, elles sont autour de la table ou pas? Est-ce qu'on y pense? Et puis, qu'est-ce qu'on échange concrètement? Si j'échange moins de mobilité ou plus de sobriété, c'est quoi que j'ai à la place? Et puis, si moi, je suis dans une mobilité subie parce que j'ai besoin de me déplacer pour aller travailler, qu'est-ce qui me garantit que la modulation des péages autoroutiers en heure creuse et heure pleine, elle ne va pas, moi, me contraire exceptionnellement, alors que je suis précisément celle ou celui qui ne peut pas choisir mes horaires d'emploi le matin ou le soir? Vous voyez, donc il y a toute une série de questions comme ça, et je crois réellement que la notion de justice est une question absolument clé, pardon de la trivialité, pour arriver demain à organiser la transition énergétique, y compris autour de la notion de bien commun. Merci beaucoup. Merci pour cette lecture très exigeante. Si je vous entends bien, en fait... L'hypothèse des réseaux physiques ou immatériels comme bien commun, ça aurait l'avantage d'être assez simple comme structuration du problème. Alors, simple, je ne sais pas, parce que l'un des apports de l'énorme Strom, c'est justement de montrer que la gouvernance des communs, c'est compliqué. Ça suppose des règles, et c'est un des points très importants de la note d'Yves Crozet, c'est qu'il met beaucoup l'accent sur la notion de règles, en expliquant qu'au fond, les droits découlent de règles qui sont posées. Ça, je pense que c'est un élément très important. L'intérêt des communs, c'est que ça permet d'introduire une troisième catégorie, si je puis dire, entre les biens privés et les biens publics. Et on voit quand même, si je poussais un peu loin le bouchon, je dirais, mais là, j'ai toujours ma casquette de régulateur posée sur la table, je dirais que lorsqu'on regarde un certain nombre des choix qu'ont fait l'État en matière de réseau, de gestion des réseaux, d'avenir des réseaux, de privatisation, etc., la question peut se poser, je n'ai pas la réponse, mais
en tout cas je l'ai, mais je ne l'exposerai pas, c'est la mienne, mais je ne suis pas sûr que les choix qui sont faits par l'État, personne publique, personne institutionnelle, soient toujours des choix absolument conformes aux intérêts de la collectivité à un moment donné. C'est une vraie question. L'intérêt du débat sur les communs, c'est qu'elle pose cette question. Elle pose la question de la maîtrise par la puissance publique, absolument, des réseaux d'intérêt général. Pas par la puissance publique seulement, par la collectivité. Par la collectivité. Par vous et moi qui sommes des usagers, éventuellement... Je sais pas, je parlais de l'avenir du réseau concédé autoroutier, je ne vais pas me polariser là-dessus, mais si je vous pose la question de savoir qui est concerné par l'avenir du réseau autoroutier, vous allez me dire les usagers, forcément, le contribuable, un peu, les riverains, sans doute, les constructeurs de BTP aussi, les chargeurs, enfin tous ceux qui l'utilisent. Bon, donc vous voyez, ça forme une collectivité. Cette collectivité, ça ne se confond pas nécessairement avec le pouvoir, central de l'État institué. Merci. Thierry Pêche, il y a au moins deux bonnes raisons de vous entendre aujourd'hui. Première raison, vous êtes directeur général de Terra Nova, qui est un observateur très attentif des politiques publiques et du champ politique en général. Deuxième raison, vous avez largement participé à la Convention citoyenne pour le climat. Et donc, ces questions de décarbonation sont au centre aussi de vos attentions et de vos travaux. On a envie de vous entendre aujourd'hui sur ces questions des communs, sur ces questions d'évolution des débats autour de la mobilité. Votre opinion sur ce qui vient d'être dit depuis ce matin et sur cette note. C'est la plus mauvaise place, c'est la dernière. On parle, tout a été dit. Merci Gilles, bonjour à toutes et à tous et merci de m'accueillir. Je vais faire deux courts commentaires sur des sujets qui ont été évoqués lors des débats précédents et puis en venir à des observations plus personnelles. On a pas mal parlé de sobriété et bizarrement assez peu de ce qui a été réalisé ces derniers mois en France, le plan de sobriété énergétique, qui est quand même un bon crash test de ce qu'on est capable de réussir ou pas ensemble. Lorsque ce plan était à l'état d'élaboration, on y a pas mal contribué nous-mêmes par des travaux, on entendait beaucoup demander des petits efforts individuels, des petits gestes à chacun dans sa petite sphère, etc. Ça sert à rien, ça marche pas, il faut des décisions plus systémiques, etc. Et de fait, il fallait aussi des décisions systémiques. Mais qu'observe-t-on depuis quelques mois ? On observe une baisse des consommations d'électricité qui est entre 7 et 9 % selon les semaines, ce qui est tout à fait considérable. Et cette baisse, c'est le résultat de la baisse des consommations industrielles, bien sûr, et parfois pour de mauvaises raisons, c'est parfois des baisses de production, mais c'est aussi le résultat du comportement des ménages. Et moi, j'étais sensible à une chose, c'est que d'abord, on montre que ça peut marcher quand on s'y met tous. L'addition de nos choix individuels peut produire un résultat très significatif. Hein, quand on dit 8 à 9 % en moins, c'est plusieurs centrales qu'on n'appelle pas à certains moments. Donc, c'est vraiment beaucoup d'efforts. Mais le défaut de ce plan, c'est de ne pas rendre à chacun sa récompense. Et je revois ces premières semaines, on observait la baisse des consommations et aucun ministre, même pas la première ministre, ne venait devant les Français en disant « Bravo, continuez, vous y arrivez, vous êtes en train d'y arriver ». Alors ça s'est fait depuis. Agnès Pannier-Runacher a pris la parole pour souligner ça. Mais... Il faut que ce soit rewarding pour continuer en bon français. Si ce n'est pas rewarding, les gens n'ont pas conscience de l'effet de ce qu'ils produisent. Donc posez-vous la question, quand on parle de sobriété, de la façon dont on en explicite, dont on en objective les résultats collectifs. C'est le premier point. Deuxième point... Pardon, juste une petite précision. Est-ce qu'on a une idée de la part entre la baisse de consommation contrainte parce que le budget du ménage a chuté et puis la baisse de consommation citoyenne, j'allais dire, celle que vous appelez de vos voeux. La seule chose que je puisse dire, c'est que tout ça est indifférent aux températures extérieures. Or, c'est des consommations qui sont très thermosensibles, donc on neutralise l'effet température extérieure dans les chiffres que je vous donne. Par contre, je ne suis pas capable de répondre à cette question, Gilles, qui est une bonne question. Il y a sans doute des deux,
Il y a bien sûr des effets de prix, mais après tout, les effets de prix font partie de la vertu du dispositif. On a parlé de signal prix. Bon, bah, la taxe carbone, là, on l'a. Poutine l'a mise dans les prix du gaz et du pétrole. La taxe carbone s'appelle Vladimir Poutine depuis 6 mois. Ça marche. Voilà, c'est ce que je peux vous dire. Je t'ai interrompu, pardon. Non, mais deuxième point sur la taxe carbone, justement. On en a parlé comme du souvenir d'un échec, même s'il reste une contribution climat-énergie. Elle aurait dû augmenter, elle a cessé d'augmenter du fait de l'histoire que vous avez tous en mémoire des gilets jaunes. On s'y est quand même bigrement mal pris. Il faut quand même le dire et le rappeler. Et je pense qu'on pourrait rouvrir ce dossier à nouveau frais dans de prochaines campagnes électorales, parce que c'est là que ça peut se faire. On vient de publier un document. Vraiment, je vous invite à le lire. Ce n'est pas parce qu'on l'a fait, mais il est vraiment, je ne dirais pas ça de tous nos travaux, mais celui-là est vraiment très bon. C'est une comparaison raisonnée de la mise en place de la taxe carbone en Suède et en France. Et vous trouverez dans ce document le premier effort systématique de mesure de l'effet économique et carbone de ces deux taxes suédoises et françaises. Dans le cas suédois, qu'est-ce qui s'est passé ? L'instauration de la taxe carbone prend place dans le cadre d'une réforme fiscale. C'est-à-dire qu'en même temps qu'on dit aux Suédois « vous allez payer une taxe carbone », on leur dit « vous allez payer moins d'impôts sur ceci et cela ». Premier point. Deuxième point, les alternatives se développent à très grande vitesse en même temps. On ne dit pas aux gens « vous allez payer plus cher l'essence et si vous ne voulez pas d'essence, bah, vous vous démerdez, mais il n'y a pas beaucoup d'alternatives », parce que c'est quand même ça le sujet. On développe énormément les biocarburants. Alors, ce n'est pas forcément des solutions magnifiques, hein. Mais les ménages suédois ont des alternatives. Troisièmement, on affecte une partie des ressources. Donc, je veux dire, il y a un moment donné, quand on fait le comparatif, on ne s'étonne pas beaucoup de l'échec de la solution française. Et moi, je pense qu'on devrait revisiter ce sujet si on veut réintroduire un signal prix qui soit acceptable, accepté. Tout ça nécessite beaucoup de concertation, beaucoup de discussions. Ça passera pas comme une lettre à la poste. Mais je crois que si on veut aller dans cette direction, ça vaut le coup de regarder ce qui s'est passé ailleurs. Alors maintenant, j'en viens à deux ou trois remarques et puis j'en aurai terminé sur un point auquel j'ai été sensible, c'est la focale qui est mise sur les mobilités du quotidien dans nos débats. On parle beaucoup moins des mobilités... Enfin, quand j'étais petit, les transports, c'était la prochaine ligne de TGV, quoi. C'est ça dont on parlait. Depuis quelques années, du fait des mouvements sociaux qui ont marqué ce pays, mais aussi du fait des enjeux de décarbonation et des réalités vécues, on parle des mobilités du quotidien, des mobilités pour aller au boulot, en revenir, aller chercher les enfants. Voilà. Et on découvre un continent de complexité absolument formidable. Or, c'est là que se trouve la mère de toutes les batailles, soit de la décarbonation, soit on arrive à résoudre ces questions-là, soit on n'y arrive pas, et de ça dépendra une partie de notre avenir, de notre contribution, en tout cas, à l'effort climatique. Mais en mettant la focale sur les mobilités du quotidien, on met la focale sur les questions locales. Je voudrais quand même que ce soit clairement dit. On ne parle plus, en tout cas plus autant de l'échelle nationale, et beaucoup plus d'une échelle locale, avec toutes les difficultés que ça soulève. J'ai suivi de près le débat sur les ZFE. On y a même contribué par des travaux qu'on a publiés récemment. Je ne suis pas sûr que... Bon, comme Gilles l'a rappelé, j'ai présidé le comité de gouvernance de la Convention climat qui avait mis l'accent, qui avait proposé une généralisation des ZFE aux agglomérations de 150 000 habitants, ce qui a finalement été inscrit dans la loi climat et résilience et ce qui est aujourd'hui l'objet de tous ces affolements, le vocabulaire... Des concertations qu'a rappelé Chantal Joanneau sur explosifs, etc. C'est le vocabulaire qu'on retrouve partout. C'est ce que j'ai entendu aussi. Je ne dis pas que c'est un merveilleux système. D'ailleurs, moi, je n'ai pas voté, je n'ai fait qu'organiser ces débats. Donc, ce n'est pas mes propositions. Mais ça nous oblige, en tout cas, à regarder d'un œil neuf toute une série de difficultés. D'ailleurs, je dis en passant, les ZFE n'ont pas du tout été faites pour des questions climatiques. Elles ont été faites pour des questions sanitaires. Les communautés qu'on devrait entendre dans ces débats, c'est les communautés de pédiatres sur l'épidémie de bronchiolite, c'est les communautés de médecins sur les imputations probables de morts prématurées à la mauvaise qualité de l'air. Mais laissons ça de côté. Beaucoup de collectivités sont tentées de remettre le singe sur l'épaule à l'État dans cette affaire. C'est-à-dire,
vous êtes allé trop loin, trop vite, vous auriez dû nous écouter, on n'a pas les moyens d'eux, etc. Mais c'est pas la réalité de ce qui se passe. La réalité de ce qui se passe, c'est que vous avez de grandes agglomérations qui ont voulu aller beaucoup trop loin, beaucoup trop vite, beaucoup plus loin que ce que la loi leur demandait. Je vais pas, enfin, j'en cite une ou deux, mais Paris et Lyon, par exemple, ciblaient les critères 3 et 2 aussi vite que c'était prévu. Rien dans la loi ne vous y oblige. Et d'ailleurs, je fais le pari devant vous que certaines feront machine arrière dans les 6 à 9 mois qui viennent. Parce que ça implique qu'on change le parc automobile disponible à une vitesse absolument folle, qu'on ne pourra juste pas réaliser. Donc, je donne cet exemple, je ne vais pas être trop long, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on arrivera à relever ce genre de défi que si on construit bien la coopération entre l'État et les collectivités locales, et aussi entre les collectivités locales elles-mêmes à l'échelle où il faut qu'elles interviennent. Et ce n'est pas gagné. Et je le vois dans le domaine qui nous est cher, Chantal, celui des concertations, de la démocratie participative, etc. La démocratie qu'on sollicite, c'est la démocratie du sommeil. La plupart des maires qui vont consulter les habitants consultent les habitants qui résident dans leur commune. Mais le cœur d'une agglomération n'est pas la propriété exclusive des gens qui y résident. C'est aussi la propriété de tous ceux qui en ont un usage quotidien, professionnel, pour aller au boulot, etc. Donc il faut aussi aller chercher cette démocratie du réveil de ceux qui ne viennent pas simplement dormir et voter dans la ville, mais qui viennent y être actifs. Donc on a besoin de dimensionner nos efforts de concertation, de consultation, de négociation de cette transition bas carbone à la bonne échelle. Et cette échelle, c'est pas... Enfin, je veux dire, elle dépasse le maillage administratif traditionnel français, qui est quand même un de nos grands handicaps dans ces matières. On a évoqué à plusieurs reprises ici les cars express haute fréquence, qui sont une excellente solution dans bien des cas. En plus, là, il n'y a pas de suspense technologique. Ça marche. Voiron, Grenoble, Dourdan-Massy, Aix-Marseille, ça marche très très bien. C'est plébiscité par les gens qui en ont besoin. Ils ne payent pas cher, ils vont vite, et Dourdan-Massy, ils doublent les voitures sur la voie réservée d'autoroute à l'approche des gares et donc des pôles d'intermodalité. Ça marche très très bien, ce truc-là. Mais ça ne dépend pas d'un décideur, ça dépend d'une communauté de décision. Et c'est cette communauté de décision qu'il faut construire et nourrir et sceller. Bon, le préfet a sans doute un rôle à jouer là-dedans, mais pas seul. Vous voyez ce que je veux dire? On a là un défi qui est un petit peu évoqué dans les questions de gouvernance, mais qui mériterait d'être détaillé davantage. Voilà, je ne veux pas en rajouter parce qu'il est très tard et vous avez faim. Peut-être un dernier mot, si vous m'autorisez. La démocratie, ça ne consiste pas à compter les voix. Bien sûr, on vote et de temps en temps, il faut compter les voix. Mais derrière cette idée que ça pourrait seulement consister à compter les voix, il y a une idée qui est fausse. C'est que nous aurions tous, chacun, des préférences fixes et déjà formées. Et qu'il suffirait de venir nous demander notre avis, puis qu'on le donne. Et Chantal, c'est comme moi, parce que dans des contextes très différents, on a fait l'expérience de ça. Quand on met de côté les publics très polarisés, les très pour et les très contre, comme vous disiez, il reste une masse immense de gens qui sont prêts à changer d'avis. Ils sont prêts à changer d'avis. Moi, quand j'ai vu arriver mes citoyens à la Convention, ce n'étaient pas des députés qui venaient d'être élus, qui étaient déjà dans des groupes partisans, c'est-à-dire dont on pouvait anticiper les réactions sur une très grande quantité de sujets. Non, c'était des gens qui, à la lumière d'une information, pouvaient changer d'avis. 72% d'entre eux ont changé d'avis. Donc, l'exercice démocratique, c'est celui de la délibération informée et éclairée. Et je vous invite tous à essayer d'imaginer comment nos processus de participation et de délibération pourraient aider aux décisions que vous appelez de vos voeux. Mais il va falloir imaginer des cénacles, des enceintes dans lesquelles on réunira ce grand public prêt à changer d'avis. On l'informera, on lui donnera le temps de délibérer et d'éclairer, y compris ses concitoyens. Voilà, merci. Merci. J'ai presque cru qu'on allait parler de la réforme des retraites. Hein, c'est un très bon exemple, parce que comme tu m'y invites... faites juste cette observation. Au début, la réforme des retraites est toujours populaire. Et au moment où on l'a fait, elle est toujours impopulaire. Et puis, on l'a fait,
Mais ce que je veux dire, c'est que... Celle-là, elle était impopulaire. Non, mais... Oui, mais c'est pas... Vous voyez, on serait contenté d'un sondage il y a 6 mois, le résultat n'était pas le même. Comme quoi, les préférences évoluent. Comme quoi, il manque une case, la fameuse case information, délibération, etc. Merci, merci beaucoup. Il est temps de poser quelques questions. Alors, les bras vont se lever et j'ai un micro à vous donner. Il est ici. Voilà. Alors, Pierre va faire le... Là-bas à gauche, il y avait une question. Et après, le grand à cheveux gris au cinquième rang. Moi, je ne suis pas le grand à cheveux gris, non, mais... Il est là, le grand à cheveux gris, là. Je suis... Allez-y. Alexis Giberg, président de l'OTRE. L'OTRE, c'est l'organisation transporteur anti-européen. Une organisation représentative tant dans le transport de marchandises que de personnes. Et qui rassemble essentiellement des PME, qui d'ailleurs est la structuration majoritaire du secteur d'activité du transport routier, personnes comme marchandises. Et donc j'ai pris connaissance, comme Madame Hydrac, ce week-end, très attentivement, de la note que j'ai trouvée passionnante, très bien documentée, claire. Ce que j'en retiens, et finalement la question, pour faire très court, hein, mais c'est d'une part... Transport routier, qu'il soit de personnes que de marchandises, est absolument stratégique, vital, essentiel. Et il s'appuie sur un réseau, un bien commun, comme l'expliquent les juristes, mais même aussi les économistes, un bien commun qui sert de référence pour les droits fondamentaux, et notamment le droit aujourd'hui appelé de la mobilité, que chacun veut exercer le plus possible et le plus longtemps possible. Le deuxième point, c'est qu'effectivement, nous disposons donc des outils de régulation, des outils qui permettent d'aménager ce commun, qui permettent aussi de renforcer et peut-être mieux orienter vers la neutralité carbone, la transition énergétique du secteur du transport routier. C'est formidable. Mais le troisième point, et c'est là où finalement je comprends pas pourquoi, avec les externalités négatives qui sont pointées, pourquoi on ne met pas plus en avant toutes les externalités positives de la route, pour non pas mettre en avant la sobriété, qui est un maître mot dans l'ensemble de l'économie, mais comme finalement le transport routier est la clé de voûte, qu'elle irrigue toute l'économie, qu'elle permet son développement, est-ce que ce n'est pas plutôt sur l'accroissement des investissements, l'accroissement finalement d'une mue qui ne pourra se faire sans argent, et sans argent non seulement affecté, mais massifié, je dirais, puisque la massification est la clé de cette transition. Merci beaucoup. Je ne sais pas si c'est une question, c'est plutôt un plaidoyer pour plus d'investissements. Yves, non ? Ah. C'est un plaidoyer pour que vous travailliez. Alors, excusez-moi, moi je trouve que dans les études complémentaires, il y a aussi travailler sur les externalités positives. C'est ça que je pense, entre autres, mon ami voulait tout, dire. Tout à fait. Yves ? Tout de suite un petit mot et après on prend une question. Juste sur les externalités positives et négatives. C'est un vieux débat. J'étais une fois en Allemagne il y a 20 ans et mes collègues universitaires s'arrachaient littéralement les cheveux là-dessus. Du point de vue théorique, les externalités positives, elles sont déjà dans les prix. Elles sont déjà dans les prix. C'est-à-dire que les personnes qui bénéficient de la massification des transports, de la baisse du coût du transport routier, qui ne sont d'ailleurs pas des transporteurs, qui sont les chargeurs qui en bénéficient, ces gens-là, voilà, les avantages du transport routier, sa régularité, sa vitesse grâce aux autoroutes, etc., ça, c'est déjà dans les prix. Par contre, le fait que, par exemple, on va polluer, eh ben, ça, ce n'est pas dans les prix. Alors, de fait, ça l'est. Et si vous avez vu ce qui est indiqué sur les coûts du transport routier, les recettes du transport routier couvrent, en dehors des zones urbaines, une grande partie, voire plus que la totalité, des coûts externes. Donc c'est pour cela que les coûts externes, c'est quelque chose d'important. Ce qu'il faut oublier, ce qu'il faut arrêter de dire, c'est de dire « Ah, la route ne paye pas ses coûts ». Mais la route ne paye pas ses coûts, les avions non plus, les trains non plus. Voilà, donc il faut regarder les choses. Et comme l'a dit Fanny, il faut arrêter de se polariser sur les coûts de congestion et les questions de gain de temps et de perte de temps, parce que ça écrase tout. Dans les coûts externes du transport aujourd'hui, le CO2, ça pèse rien. Ça pèse rien. Tout est dans les coûts de congestion. Et tant que vous dites, c'est les coûts de congestion qui sont problématiques, ça, il faut faire des routes.
Si vous lisez le rapport de 2019 du handbook, du manuel européen sur les coûts externes, il vous dit 1 000 milliards de coûts externes, dont 400 milliards de coûts de congestion liés à la route. Mais dans ces cas-là, il faut faire des routes. Il faut construire des routes tout de suite. Et la même Commission européenne nous dit non, attendez, il faut arrêter ça, parce que la route, c'est pas bien, il faut réduire le CO2. Donc, il faut arrêter de dire que les coûts de congestion sont gigantesques. Voilà, c'est vrai dans les zones urbaines, c'est pas vrai ailleurs. Et donc, il faut regarder différemment les coûts externes. C'est des questions de pondération. Mais je pense que l'argumentation de dire... bien sûr qu'il y a plein d'externalités positives, c'est pour ça qu'on a tous une voiture, plus ou moins, etc. Mais ça, c'est déjà dans les prix. C'est déjà dans les préférences. Donc, je pense que l'argumentation, c'est plutôt de dire, regardez comme vous faites mal le calcul des coûts externes et que vous surpondérez les coûts de congestion, alors même que les politiques publiques que vous menez dans les villes consistent à créer de la congestion pour ralentir le trafic. Donc, si vous créez de la congestion, il ne faut pas la considérer comme un coût, parce qu'elle est voulue. Voilà. Merci. Alors, il y a une deuxième question. Là, j'avais promis à... Bon, alors, ne pas oublier, oui, dans l'ordre, et après, la dernière avec Guy, et après on va devoir finir. Donc, rapide, s'il te plaît. Oui, Pascal Ozanet, consultant en mobilité. Bon, bravo pour le rapport, la note de synthèse et toutes les interventions disruptives. Deux choses sur lesquelles je voudrais intervenir, c'est sur la dépense publique et sa décroissance, son rendement décroissant de la dépense publique et sur la régulation. Sur le rendement décroissant de la dépense publique, il me semble qu'il faut distinguer ce qui est les lignes de LGV supplémentaires, donc, avec les dépenses qui sont en milieu urbain dans les métropoles. Où là, la question du rendement décroissant doit se poser en interface avec la régulation, dont vous avez beaucoup parlé, et vraiment avec beaucoup de pertinence. Et je crois qu'il faut réfléchir sur ce point-là, sur ce que pourrait être une dépense marginale augmentée. Dans une approche systémique, en jouant sur tous les leviers, c'est-à-dire la tarification, parce que donc sur la régulation de l'espace urbain, qui est un enjeu qui est aujourd'hui majeur. Et il me semble donc effectivement, donc avec cette dépense publique, avec un rendement augmenté, et donc en jouant sur tous les leviers, on doit pouvoir définir des politiques différentes. Et politiquement, c'est certainement plus facile que de demander une dépense publique supplémentaire que de jouer sur la régulation. Hein, où c'est-à-dire qu'on va toucher les questions de tarification, heure de pointe, répartition différente de l'espace urbain, avec les mobilités douces, mobilités actives. On va prendre la place à la voiture particulière. C'est beaucoup plus dur politiquement, hein, mais là, on est véritablement dans la régulation. Hein, et ça prend aussi le contre-pied, j'en termine, sur la dérégulation dont on a parlé depuis une quarantaine d'années, la main visible d'Adam Smith. Je crois que maintenant, on revient vraiment, avec ce retour d'expérience, véritablement vers des politiques qui vont être différentes, j'espère. Merci pour cette intervention, Pascal Ozanet. Guy Levra devant et après, un mot d'Yves Crozet. Et on conclut. Oui, bonjour, Guy Lebras, directeur général du GART. Moi, j'ai une question pour Thierry Pech, dont j'ai trouvé l'intervention absolument passionnante, notamment avec cette comparaison Suède-France. Et je vais m'appuyer pour ma question sur l'expérience que nous avons vécue au GART pour la dépénalisation du stationnement. C'est un combat que nous avons mené avec quelqu'un qui est présent sur cette estrade, Patrick. C'est vrai que le corps intermédiaire que nous représentons, les associations d'élus, demandait depuis une dizaine d'années, avec l'intervention de Roland Ries, de Louis Nègre, de plein d'élus, cette dépénalisation du stationnement. Et quand on a finalement réussi à la faire voter, nous avons eu l'intégralité des administrations centrales contre nous et nous nous sommes heurtés au vice-président du Conseil d'État. Et c'est grâce au soutien du président de la République, du Premier ministre de l'époque, à ses collaborateurs, dont Patrick Vieux, qu'on a in fine réussi à faire cette réforme. Donc je constate que dans notre pays, il y a un écrasement des corps intermédiaires et de la subsidiarité, et qu'on ne comprend pas ce qu'est la véritable subsidiarité. Alors qu'en Suède, on a des associations d'élus puissantes, elles ne sont pas très nombreuses, mais elles sont puissantes, on a une véritable culture de la subsidiarité, et donc la question que je vous poserai, Monsieur Pech, est de savoir comment faire pour que notre pays, qui est si loin, justement, de cette subsidiarité intelligente et de ces corps intermédiaires puissants que nous rencontrons dans les pays nordiques, deviennent un petit peu plus, réalistes, décentralisés et comprennent un petit peu mieux l'importance de ces corps intermédiaires.
Voilà ma question. Oui, ben vous posez une bonne question. J'avais rédigé avec Pascal Canfin, il y a un peu plus d'un an maintenant, un document qui s'appelait « Gouverner la transition écologique » et qui disait le triangle d'or de la transition écologique, c'est des technologies, de la norme et du contrat. Technologie, norme, tout le monde comprenait. Contrat, on nous disait de quoi vous parlez. On disait on parle de transition plus négociée. Et on donnait des exemples, précisément dans les pays dont vous avez parlé, la Suède, l'initiative Fossil Free for Sweden, par exemple. C'est 10 ans de tour de table avec des syndicats, des entreprises, des collectivités locales, la société civile et bien sûr l'État suédois. Bon. C'est de cette façon-là qu'ils ont défini la position qui a été ensuite inscrite dans les règlements et les lois suédoises pour avancer sur le chemin de la décarbonation. Je pense qu'on pourrait s'inspirer de ça. Il y avait la même chose, je me souviens des climate tables aux Pays-Bas. Lorsque les Pays-Bas ont adopté l'objectif neutralité carbone à 2050, le Parlement néerlandais a voté et tout de suite, ils ont dit, maintenant, savoir comment on atteint cet objectif, c'est vous qui allez nous le dire. Vous, c'était vous, la société civile, et donc vous allez vous réunir autour d'une table et vous allez nous dire sur quoi vous êtes capable de vous mettre d'accord. Les portes ont claqué, c'est jamais simple de se mettre d'accord, faut être honnête. Je veux dire, il n'y a pas de négociation qui se passe dans la joie et la bonne humeur, mais les points de vue se sont rapprochés, quelques portes ont claqué, en effet, puis ils ont pris des initiatives très rapidement sur l'électrification de la mobilité. Et c'est aujourd'hui un des pays où le réseau de bornes de recharge est le plus développé en Europe. Voilà le résultat. Donc. On n'est pas plus con qu'eux. Il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Voilà. Et en particulier, moi, je crois beaucoup à la transition négociée dans les bassins de vie, à l'échelle des agglomérations. C'est pour ça que les ZFE, tout ça, c'est des... Même si l'idée n'est pas parfaite, c'est l'occasion de se mettre autour d'une table, de discuter, etc. Et je pense qu'on peut y arriver de cette façon-là. L'autre modèle, qui est le modèle français, un peu jacobin, beaucoup plus vertical, vous mettez de très bonnes intentions à l'entrée du tuyau, à la sortie, vous avez des gilets jaunes. C'est une autre option. Belle image finale de cette table ronde. Je voudrais vous remercier, Patrick Vieux, Thierry Pech, Chantal Joanneau. Je ne résiste pas à l'envie de vous poser une dernière question, Chantal Joanneau, sur ces fameuses ZFE. Est-ce que vous avez un mot sur cette question que vous connaissez bien ? Sur l'opportunité, est-ce que votre droit de réserve vous permet de nous donner quelques éléments ce matin ? Pas du tout ? Non. Bon, j'aurais essayé. On en parlera peut-être tout à l'heure après cette... Je crois qu'on peut les remercier tous les trois. C'est un débat absolument passionnant. Mais avant, je sais que vous avez tous envie de partager les vœux. Je vais demander à Louis Nègre et à Philippe Duron de me rejoindre pour conclure cette matinée qui, je crois, avoir votre concentration, a été très intéressante. Messieurs et deux vice-présidents, vous êtes dans votre exercice préféré, la synthèse à chaud de débat. Beaucoup de choses ont été évoquées, mais c'est normal parce que le point de départ, le matériau de base a été intéressant. Tout le monde l'a lu pendant les semaines qui ont précédé ou encore ce week-end. Et donc, on a un débat intéressant, d'autant plus qu'il a une portée aujourd'hui quasiment philosophico-politique, au-delà même des intentions de l'économiste émérite Yves Crozet. Oui, je crois que ça a été, on l'a vu, je crois, une note remarquable d'Yves. On l'avait déjà testé, nous, en faisant le tour un peu d'un certain nombre d'acteurs du transport, d'acteurs des infrastructures, d'acteurs de la régulation. Hein. On avait vu que ce sujet intéressait, que la note était, je dirais, bien fichue, même si les contributions des uns et des autres nous ont amené Yves à la reprendre, à en modifier l'architecture et à préciser un certain nombre de notions. Et je crois que ce matin, vous avez pu mesurer ce résultat. Et moi, je voudrais remercier, bien évidemment, celles et ceux qui ont contribué à cette élaboration, le conseil scientifique autour de Michel Savy, et puis également toute l'équipe de TDIE, elle n'est pas nombreuse, mais autour de Pierre Van Corneval, qui s'est beaucoup investi dans ce sujet, dans un dialogue et dans une collaboration avec Yves et avec le conseil scientifique. Alors, moi, je retiendrai de nos... remercier bien sûr
les excellents invités de ce matin qui ont discuté cette note, qui ont débattu autour de cette note. Mais si nous les avons invités, c'est qu'ils étaient excellents. On veut simplement les remercier d'avoir accepté d'être des nôtres aujourd'hui. Je terminerai en disant que moi, je retiendrai, on ne va pas refaire le débat, hein, ce serait un peu long et inutile. Surtout on va faire un after, mais ce n'est pas encore l'heure. Voilà, c'est pas encore... je retiendrai trois choses. D'abord, le bien commun mérite effectivement d'être discuté. Patrick, tu l'as remarquablement montré en faisant preuve d'érudition. Hein, et pour aller de l'Antiquité jusqu'à la Suède contemporaine... C'était tout à fait intéressant, mais on voit bien hein, qu'il faut travailler sur ce sujet. La deuxième chose qui m'a semblé importante, c'est que la question de la sobriété n'est pas non plus quelque chose d'évident. Michel Savy, avec l'OPSTE qu'il présente, a fait un travail et publié une note que vous pouvez trouver sur le site de TDIE hein, sur la notion de sobriété en Europe. Ça ne parle pas du tout à nos amis universitaires européens, allemands, italiens, comment dirais-je, néerlandais, espagnols. Hein. Non, non, ce n'est pas un sujet pour eux. Ça n'est pas évoqué encore dans les politiques publiques de transport ou d'énergie de leur pays. C'est une approche très française, hein, très française. Et ici, on voit bien que c'est difficile de l'intégrer dans... notre prise en considération d'un certain nombre de critères de décision, d'une infrastructure ou d'une politique. On avait, tu t'en souviens, Yves, ou Louis aussi, on avait eu dans Mobilité 21 un vrai problème. Parce qu'à l'époque, on ne nous demandait pas de proposer autre chose que le SNIT, on nous demandait simplement, Frédéric Cuvier nous avait dit, je veux un mode d'emploi du SNIT. Hein. Classer par priorité les grands travaux à réaliser. On aurait pu le faire, on aurait pu les réaliser sur un bon siècle et demi, d'ailleurs, mon cher Louis. Et quand on a demandé au CGEDD de nous aider et de faire ce classement, ils sont revenus, certains s'en souviennent ici, hein, ils sont revenus avec un classement, en tête du classement, en priorité, les investissements autoroutiers. En deuxième position, les routes nationales. En troisième position, les LGV. En quatrième position, les trains intercités. En cinquième position, la voie d'eau. Hein ? Bon, alors, on a été très embêtés parce que c'était complètement orthogonal des approches politiques de l'État... du gouvernement de l'époque en matière environnementale. Et on a commencé à retravailler tous ensemble avec une très bonne équipe de rapporteurs, dirigée par Dominique Ritz, qui est maintenant au port de Rouen. Et on a commencé à travailler pour intégrer de nouveaux critères de choix, notamment des critères environnementaux, notamment des critères de santé, hein, pour faire en sorte qu'on ne soit plus dans cette surpondération du gain de temps que vous avez évoqué tout à l'heure. Hein. Donc là, là encore, il y a encore, je crois, du travail à faire. Et puis enfin, moi, et j'ai beaucoup apprécié ça, vous avez tous parlé de planification et de gouvernance. Alors évidemment, personne n'a fait de référence au Gosplan, mais ce n'était peut-être pas la meilleure réussite de planification. Mais personne n'a fait non plus allusion à la planification indicative, celle de la grande époque gaullienne. Hein. Simplement, c'est une autre planification, et notamment parce que la gouvernance a changé, et parce qu'aujourd'hui, eh bien, les centres de décision, ce n'est pas seulement l'État, c'est aussi, bien sûr, les collectivités territoriales, de la région à l'intercommunalité. Maintenant, les communes sont un peu dans un deuxième rang, ou sur d'autres fonctions. Hein. Mais je crois qu'ici, c'est très intéressant. Et puis, on a terminé par une invitation avec Thierry Pêche à revisiter la démocratie, ou plutôt la conception qu'on a de la démocratie. On ne peut plus simplement, se contenter d'un mandat dans le cadre d'une représentation dans une démocratie participative, mais il faut essayer de concevoir autrement, faire une coproduction démocratique avec les citoyens, si on veut, qu'ils retrouvent
goût et confiance dans la politique. Merci Philippe. Et je me demandais, après cette synthèse très complète, quelles questions j'allais poser à Louis Nègre pour la dernière des conclusions. Mais en fait, comme tu dis toujours ce que tu veux, je te laisse la parole. Ce qui est bien à TDE et avec vous, c'est que, justement, TDE est là pour faire avancer le SMIBIC, est là pour bousculer. TDE est là pour poser des questions que d'aucuns n'aimeraient pas qu'on pose. Voilà, TDE sert à ça. Et vous, vous y participez, et ça nous aide beaucoup, que ce soit Philippe, que ce soit l'équipe permanente, que je remercie, ou le conseil scientifique, dont la diversité exprime toute la richesse et là aussi bouscule un peu. Donc, moi, deux conclusions. La première, bravo et merci d'abord pour Yves, avec le conseil scientifique, d'avoir produit une telle note. J'ai vu la réaction, les prises de parole de nos personnalités de haut niveau. Ah, je me suis fait plaisir. J'étais dans les béatitudes tout à l'heure, et là, au moins, j'avais ce que j'avais, c'est-à-dire un débat de grande qualité. Où est-ce que vous trouvez ça ? C'est rare, des débats de grande qualité où les gens peuvent s'exprimer librement avec des idées quelquefois un peu différentes. Pourquoi ? Mais parce que Yves a mis les pieds dans le plat et le président dit l'inverse de ce que tu dis, c'est tout. Hein ? Quand il dit « Non, non, mais attendez, on n'a pas abordé ça parce qu'on ne voulait pas vous terminer trop tard. » Mais le président, ce week-end, il vient de dire de manière extrêmement classique, eh ben, on va électrifier les véhicules, on va faire du transport en commun. Et si vous lisez bien la note d'Yves Crozet, il dit oui, 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 et tu l'as dit d'ailleurs hein, verbalement, oui, oui, c'est vrai, il faut faire ça aussi. Mais il y a tout le reste à côté. Donc c'est là où j'ai pas, tu vois, on aurait pu rien que pour ça faire un colloque là-dessus, sur ces deux intellectuels qui discutent entre eux. Et donc, une fois que j'ai dit que cette note était de très haut niveau et que c'était un vrai plaisir intellectuel d'en discuter, le petit maire de province que je suis, un peu plus grand que lui hein, quand même, hein, bon, tout petit peuple, bon, revient sur terre et dit, colloque, bien, discussion, formidable. Mais alors, on aboutit à quoi ? Qu'est-ce qu'on fait demain matin ? Parce qu'attention, quand... Monsieur Pech, il est où là ? Je ne sais plus où il est passé. Je crois qu'il avait un. Ah, il est parti. Bon, parle de gouvernance comme toi, Philippe. Ce qu'on a retenu tous les deux, parce que tu es un élu local aussi, c'est qu'une fois qu'on a fini le colloque, nous, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Comment on va pouvoir faire passer le message, justement, de cette transition écologique ? Chirac nous le disait déjà hein, dans l'Antiquité, il y a le feu. Il y a le feu à la maison. Bon. Là. Antonio Guterres nous l'a répété. Il y a le feu à la maison. Il y a une urgence absolue. Maintenant qu'on a fait le colloque, comment on va passer et doubler ce que je vous disais tout à l'heure et ce que dit le président ? Mais c'est les paroles. Paroles, paroles. Mais moi, je veux du concret. Moi, j'ai besoin de concret. Alors, ce que je souhaite, c'est que ce débat atterrisse et nous permette de faire en sorte que nous, les élus locaux en charge justement des problèmes du quotidien, on puisse rentrer dans le vif du sujet. Et qu'il y ait plus que vous avez tout signalé, qui est une catastrophe absolue selon moi, quand vous avez plus de la moitié des électeurs qui ne se déplacent plus, selon moi, la démocratie française est assise sur un volcan. Voilà. Donc pour ça, une des priorités, c'est de refaire en sorte que l'on ait davantage de gouvernance associée avec l'ensemble des parties prenantes. Et si, effectivement, c'était très bien décrit tout à l'heure, quand on voit, regardez le document, la Suède a introduit la taxe carbone, ça s'est bien passé, et si on avait eu le courage, je parle de courage, si les politiques ont le courage, on peut faire des choses. S'ils ne font que de la démagogie, on aura du mal. Voilà. Merci Louis Nègre. Un dernier mot. Donc un dernier mot, évidemment, pour vous remercier à nouveau, pour remercier tous ceux qui nous ont regardés en distanciel, pour vous convier à un pot d'amitié. Alors,
le mot clé, le mot à distanciel, ce sera difficile, mais pourquoi pas santé à distance avec tous ceux qui nous regardent. Il y avait un maître mot ce matin, sobriété. On va pas vous encourager à la sobriété dans quelques instants, parce que je crois que l'alcool est encore autorisé, même si on s'aperçoit que le vin, la consommation de vin baisse en France, à devenir peut-être dans quelques années inférieure à celle de la bière. En tout cas, je crois que quelques verres vous attendent ici. Bon appétit et bonne fin de journée. Un verre, oui, mais des vœux d'abord. Ne partez pas sans ce comme message important. Bonne année à tous. Thank you.